Ok, donc là cette fois-ci c'est parti pour de vrai. Donc maintenant. Maintenant ça va chier. Attends, appuie sur prêt. Non, toi c'est toi. Non, c'est lui qui est pas prêt. Ils ont peur. Ils ont peur dans leur tête. Ils mangent. Oui, bon. Putain, mais là le mec il a sa tête, il est. Pour mieux que je perde, j'ai trop mal. Je le retire. Ouais, en fait, le gagnant reste en jeu. C'est jusqu'à qu'il y en ait plus en équipe. Super, une fois que tu t'es éliminé. Oui, mais pour vrai, c'est ça. Parce qu'en fait, les équipes, vous êtes 4 mains. En fait, le gagnant, le troisième travaille pour moi, nous on verra pas. Ouais, allez. C'est GameSpot. C'est ça, ouais. Faut que tu les réinvites, ah, par contre, faut que tu les réinvites, ils vont faire jouer un joueur manette. Ils mangent le pack d'emballage. Non, mais la question c'est plutôt pourquoi. Non, en fait, tu vas comprendre, quand il va le faire, tu vas comprendre en fait. C'est. Est-ce que tu déranges un artiste quand il peint? L'artiste de mon jeu, vous l'avez invité, hein, c'est bon? Ouais. Bien, oui. Moi j'ai pas vu j'ai vu l'analyse, mais comme j'ai jamais fait, je peux pas dire si c'était la bonne. Non, ah oui, d'accord, c'est pour pas que. Bien, ouais. Ah oui, c'est pas un artiste, c'est bon. Et oh, s'il te plaît. Non, non, ça parle mal, j'ai obligé. Ah, comment ça, Hop là. Oh, la technique. T'as vu la technique un peu là? Ouais, tu transpires de classe par tous les ports, mec. Ça va chier là! Putain! Si vous faites bobo à mon copain, je vous défonce vos gueules, moi, de toute façon. Mais à la vie neurologique, là, je suis... T'inquiète, après, je prends la manette, moi, c'est bon. Mais du coup, il joue pas, Bob l'éponge, hein. Bob l'éponge, non, il m'a dit, si jamais j'ai un joueur qui manque, au pire, je jouerai mon Rakan, mais c'est tout. Mais ils sont tous là, ces joueurs. Ah, hein, c'est voilà. C'est ça qu'on veut voir. Tu vois, déjà, ils ont peur. Ils ont pas envie de choisir de perso, parce qu'ils savent que... C'est pas des fusées. Donc, le seul joueur qu'on connaît, c'est Walid qui joue le Ryu habituellement. Walid, qui est leur joueur un peu novice qui apprend à jouer avec eux. D'accord. Qu'est-ce qu'il fait à Paris? De quoi? Walid. Comment ça? Bah quoi? Je sais pas, moi je le connais pas. Ah bon? Parce qu'il y a un Walid à la sauce. Hein? Ah bon? Non, ça vient. Ah bon, je savais pas. Il y a un Samir? Non. J'essaie d'essayer le seul truc raciste, tu vois. Ouais, Walid, Samir, ils se ressemblent tous de toute façon. Hein. c'est des noms bizarres là, on comprend. Donc si Samir regarde le cast après coup, on va t'appeler Walid maintenant. Donc le Feilong, c'est Eric qui joue en face du coup. Ah, c'est Os. C'est Os, exactement. Et bah voilà, la bière est là. Là, il va falloir réussir à bien temporiser et faire attention aux boules de feu, puisque Feilong passe par-dessus les boules de feu avec son Rekukiaku. Charyu. Voilà, ça, c'est vraiment le coup, voilà, qui passe par-dessus les boules de feu. Du coup, de temps en temps, juste attendre et pas faire de boules. Ouais, oui. C'est bien, ça. Oh. Il attend les dragons. Ah, voilà, merde. Voilà, il se fait respecter parce qu'il a appris un truc. Cool. C'est qu'il fallait pouvoir le changer. Oh non. Ça c'est l'esprit. Exactement. Alors calme un peu les Shoryu là parce que je pense qu'il va commencer à mettre la garde. Alors maintenant voilà, faut temporiser maintenant. Parce que voilà. Le mec en entier, trop propre quoi. Voilà. T'as rien fait ou les dragons, je te l'ai dit. Oh là, ah, il s'est peut-être un tout petit peu trop enflammé, mais c'est son côté sanguin, ça, hein, c'est le petit côté espagnol qui... Oui, j'avoue, c'est plutôt italien, hein, pour le coup. Oh, il a tellement attendu. Voilà, close gros pied, derrière la chambre, deux hits combo, le meilleur combo du match pour l'instant. J'avoue. Non, mais complètement là, voilà, oh là, la punition. Oh là là, ce Tatsu en contre. Ah. Ah, voilà, il a sauté exprès pour faire whiffer un petit peu le Rekukiaku. Gère, t'es devant, gère, tranquille, des boules. Ouais. Moi j'ai l'habitude du coup de refaire de la merde. Oh, garde. La garde. Et la punition. Il est complètement là, ce Ryu, hein. Meilleur Ryu de France. Quand tu gardes, oui, c'est ça. Alors, explique-lui la règle du meilleur. Ouais, alors en fait, on est tous les meilleurs de nos persos, hein, faut le savoir. En fait, quand tu gagnes un match, tu prends la place du mec qui a gagné avant toi. C'est ça, voilà. Tu deviens le meilleur Ryu de France. En fait, à partir du moment où tu participes à un stream que je fais, tu deviens le meilleur joueur de ton perso. C'est ça.
Le jour où je serai baisé, c'est le jour où il y aura deux mecs qui joueront le même perso dans le même stream. Bah, il y en a un qui gagnera avant l'autre, tu vois. Mais... c'est celui qui gagne en dernier qui est le meilleur. Ah, mais normalement, moi, même si le mec perd, je dis que c'est le meilleur de France, tu vois. C'est juste que l'autre en face, il a eu de la chatte, c'est tout. Ah, oui. Bah, ce sera le deuxième meilleur, tu pourras négocier comme ça. Non, ouais, un truc comme ça, bref. On négocie un truc de sac, mais voilà. Ah là 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 là. Par contre, Tonio, tu nous fais pas toute l'équipe, là, s'il te plaît. On a mais ce match. Ouais. Ceci dit, s'il fait toute l'équipe, là, il va falloir organiser plusieurs matchs, parce que du coup, dans deux gagnantes, vous allez galérer. Mmh. C'est en deux ou en quatre? En trois? C'est un FT2 qui peut être prolongé en trois s'il y a accord consentement. Hein, c'est mutuel, non, c'est pas moi, je n'ai pas FT2. Ouais. C'est un FT2, qui peut... Parce que parfois, ça dure vraiment pas de... Parfois, ça dure pas assez longtemps. FT2, pas à chaque joueur, mais le premier qui... Oui, non, c'est strike d'une team. Non, c'est le deuxième set, strike d'une team. Mais comme parfois, ça peut être très très long, finalement. Alors, Gan n'a pas dit, parce qu'il fait des dragons. Ah ouais, non, c'est ça que tu devrais regarder, en fait, toi. C'est pour ça que... C'est juste que l'autre, je mets sur pause pour pas que ça fasse ramer, quoi. Alors, je sais pas qui joue gagne chez eux en fait. Ouais, mais là, voilà. Le truc, c'est que ça joue les persos exotiques. Mais Chariot, Chariot. Exotique. Voilà, les là-bas, il y a pas un quart de vie avec ça. Les costumes exotiques aussi, hein. Ouais, mais ça, c'est la couleur du papier pervers, ça. Ah, j'avoue, c'est pervers pépère, là. Ah, il a fait le saut cross, voilà, bien. C'est pas fini, c'est pas fini. Un Chariot. Ah, la focus pour bien absorber le coup. Alors, faut savoir qu'avec tous les shotos, quand tu te fais faire une focus en entière, avant de retomber, tu commences déjà à bourrer le Chariot. Il met qui se loupe, il se loupe. Non, parce que instantanément tu vas être invincible dès que tu vas tomber par terre. Non, enfin, 3 non. frames plus tard, mais bon. Ah bah voilà. Combien 3 frames, 4 si t'as pas fait de coup en l'air. 4. Ah bah oui, mais, 4, non, mais la, caisse pas la focus ne casse rien en ce cas. Oui, bah ouais, non, carrément. Ouais, enfin bon, donc toute focus entière, du coup t'as. Tu peux le faire quoi. Oh, ça craque. Oh putain, il a fait le coup de bâtard. Voilà! Hey, la boule là! La super, mais mon garde, ça va le tuer! Oh! Oh gros bon point! Gros bon point, qu'est-ce qu'il y a? Allez hop! Voilà, le vieux, il a plus de mâchoire là! Allez, t'as la super, ça lui fait de mille barres là! C'est un phare ça, ce fou? C'est un phare, ouais! Putain! Quoi? Le close, tu sais, c'est celui où il est collé. Ah, il va pas lui mettre un overhead après. Ah oui, il est en face, d'accord, ok. Ouais. Oh là là, ce gain, il n'a pas trop. Double mise au sol. Oh non, ça. C'est Tokidzem de la. Oh, ça tue. Oh l'ultra, oh là là. Ça tue Katsu, et ça, c'est ultra crade. Oh la barre de mix en vrai, c'est trop putain. C'est clair. Ah, c'est lentille. Chariot, hein, là-dessus. Voilà. Il l'a fait, il t'écoute. Voilà. Tentative de Katsu Cross, t'as pas la relevé. Et un Chariot. C'est fini. Mais non, mais non, il le voit venir. Ah, voilà, c'est mind game, quoi. Il a cru que t'allais bourrer le Chariot, donc du coup, il a attendu. Les gars, tout le monde veut tenter des persos exotiques. Jouer là, mais c'est clair, quoi, mais voilà. Des dragons, des Tatsu et des Hadoukan. Et voilà. Bon, donc c'était Morphinoff le gain, du coup. Ouais. Ah putain, le mec en plus il dit juste avant, déjà on va vous double pénétrer et après on verra, quoi. Là pour le coup c'est Tonio qui a double pénétré, hein, c'est ce qu'il va inscrire. Puis je vais faire double pénétrer par les bras de Ryu. Ah ouais, c'est pas le truc qui fait le moins mal, hein, en plus. Bien joué, je vois que t'as des bonnes références, quand même. Hein. Et pour info, cette phrase dans le texte était de moi. Tonio, c'est le nouveau matos de Black Ops. Oh, ça y est, les mecs, ils disent, on va arrêter les conneries. On va sortir les persos avec des... Voilà, en fait, là, t'attends une demi-seconde et tu mets ton Chariot juste après. Tu temporises un peu plus, tu vois. Chariot, le gars, il s'y attend pas. Ouais, mais je vois faire un crade. Ah non, c'est pas crade. Non. Seulement quand c'est moi qui fais ces phrases. Alors ça doit être... jouer. Pour le coup, ça doit être Walid. Recule, boule. Boule. Je pense que c'est Walid. Walid qui a du coup un petit peu d'expérience sur les deux espaces en tabière. Hein. Dragon, dragon. Et qui... Non, bien vu. Alors qui d'ailleurs avait l'habitude de jouer le Ryu en mode à droite là, mais du coup je vois pas... Ah, l'ultra, ça passe, c'est bon. Oh, mais on a rien à voir, je voyais la manette qui était en train de... Ah, c'est pas fini. Voilà, ce Shoryu. Ah non, ce combat de Shoryu. Pige pas. Pige pas. Voilà, le Tatsu pour sortir du coin, bien évidemment. Pige pas, qu'est-ce que tu racontes, toi? Il a une pote. Ah, là, voilà, il t'a vu venir, du coup, ouais. Quand tu le vois un peu passif comme ça veut dire qu'il se dit, dès qu'il saute, je fais entière, je bombe en Shoryu, quoi. De temps en temps, petite temporisation, et s'il fait une boule de feu, tu ressautes. Voilà, voilà la mise au sol. Dragon.
La chope derrière le Tatsu. Comme Étienne lui a dit tout à l'heure. Wow, la vache, gros point dragon, mais comment ça arrache là-bas. Ultra. Non, il s'est pas là, il s'est bien chez moi. Oh, le mec. Ah là il était en feu là, voilà. Instant sur MK. Là par contre il avait pas se faire chier. Là il t'attendait. Envoie ta, t'as super. Ça temporise, regarde, ça temporise. Saute et super. Oh dommage. Ah dommage. Parce que là c'est au grand coup. Bon bah on va essayer de brancher les deux ça. J'ai trop l'habitude d'être à gauche. Putain, je vais me faire ouais. Ah. Mais c'était encore un match tout ce qu'il y a de plus serré. Avec Antonio qui a fait le taf. Je déteste Ping. Ouais. Ah, il y a un message d'encouragement de Genshiro pour Tonio d'ailleurs. Ah, c'est bon, tu fais. Ah, c'est bien, ça marche. Alors, hop. Tu fais le ouais, c'est des silencieux. J'ai mis mon silencieux pour pas qu'on voit le reste. C'est bizarre. Ça marchait bien, le silencieux. Les silencieux. Sur la touche. Ouais, les boutons, t'en vois pas. Regarde. Tape un coup. Vas-y, valide. Vas-y, tape un bon coup sur la touche. Non. En fait, regarde la différence. D'accord, c'est un bruit sourd, du coup. Ouais. Ouais, c'est ça, pour quand les mecs, ils écoutent un stick. Mais du coup, t'as l'impression d'avoir mal tapé, quoi. Moi, je pensais que c'était encore plus silencieux que ça. Parce que quand ils disaient, genre, les Tokido, les mecs comme ça qui écoutent le stick, je me suis dit, en fait, t'entends vraiment... plus que dalle quoi. Non mais attends, c'est vrai que si t'as pas de casque. Imagine, ouais, enfin, l'ambiance, le bordel, tout ouais, le monde, machin, pour le coup. Ça t'entends pas. Enfin, en plus, c'est un bruit sourd donc j'avoue pour le coup. Ouais, encore lui, on entend pas grand chose. Non mais celui-là, c'est un normal. Ouais. C'est le seul normal du. Ah mais tu vois, là, ça claque quoi. Là, ça claque machin. Ah oui, donc tu fais exprès de mettre un normal pour. Non, c'est que j'en avais que 7. Ah d'accord. J'y suis sûr, pour Mindy, c'est un bourre. Bourre. Allez, donc c'est Romain qui se lance avec son bouquin. Voilà, il fait jouer l'expérience. ça fait les dragons de ce côté. Bah. Alors, au jeu de boules, c'est Gouken qui gagne normalement, hein, donc fais-toi respecter. Hein. Le palme qui passe dans la garde. Envoie l'ultra, envoie l'ultra. Voilà, le palme qui passe derrière le Bamka. Pif ton ultra dès que tu veux. Oh, tu as l'ultra, là ça marchait tellement. Tatsumaki X. Ah, chop arrière tout ultra. Ah, je l'avais. Derrière Shoryu, chop arrière tout ultra. Ben. Ou alors même ultra direct si tu crois que chop. Ouais. Là, avec, quand on est débutant dans le jeu, faut pas hésiter à utiliser les options qui sont vraiment très faciles pour placer les ultras avec certains persos. Alors, à la limite, on peut s'entraîner avec Rufus pour avoir à peu près tous les coups qui link avec ultra. Mais sinon, avec Gouken par exemple, la chope arrière est vraiment un super exemple pour le coup. Ou avec Ryu, la façon assez simple de la mettre, c'est soit justement derrière un Tatsu EX qui est dans le coin, on bourre son ultra dans le bon sens, soit de faire un saut MK, et derrière le saut MK, l'ultra. On a Benji ou Etienne ? MP, moi, pardon. Moi, MP. Je vais Benji d'abord. Hein. Moi, je mets de la pression sur Etienne un peu. Pour moi. Voilà, c'est la consommation. Ouais. Qui c'est qu'on envoie ? Envoyez Benji, envoyez Benji. Non, mais vas-y, c'est plus là. On va le faire démerder, vous, c'est vous l'équipe. Hein. Vas-y, vas-y. Tac, tac, tac. Hop, moi je vole les bananes. Bananes. Non, on est conditionné. Exactement, mais bon, ça veut dire que c'était bien fait. Camille, alors c'était de la bien fait. C'était de la plus bien fait. Là. Exactement. Ça, j'ai croisé le mec qui a inventé un Marc et Sartre. Ça reste le mec qui travaillait à la com de Mars. Mars qui à l'époque était un peu français. Ah ouais. Avec cette superbe pub du mec qui va dans le monastère. Ouais, et... Ah, il fuck that shit! Et qui se casse là! Ouais, c'est pas Farouk Jacques qui a fait le script de cette pub. Ouais. Les petites anecdotes culturelles de Tonio. Oui. À vérifier, mais ok, donc c'est MMK qui va se lancer contre Walid afin de lui montrer un petit peu où est la puissance. Voilà la bonne focus dash avant trouvée qui surprend dès le début. Allez, ce Spider-Hero qui ira pas assez loin. C'est peut-être un light là pour le coup. Devkick qui est bien cassé, pas de link qui est fait avec le Tatsu ne link pas derrière ça, hein, ça n'existe pas, hein, c'est complètement de la science-fiction. Ah, ça se jauge. Voilà, le pressing à base de Devkick.
Par contre, c'est très difficile. Alors, du coup, quand on veut s'entraîner à sauter de manière safe sur un personnage, faut pas commencer à le faire sur les chotos. À partir du moment où un personnage est un choto, puisque les chotos sont généralement les principaux persos à avoir des coups à la relevée qui sont invincibles. Du coup, puisque le perso n'existe pas, voilà, l'ultra dans la boule de feu, c'est dommage, la distance n'était pas là, mais ça a vraiment pas dû jouer à grand chose là pour nous. Mais du coup, quand on est sur un personnage qui a un coup qui est invincible à la relever pendant quelques frames, il va pas exister. Du coup, il faut éviter de sauter sur ses persos, puisque du coup, ils vont pouvoir vous bourrer avant que vous ayez récupéré en ayant mis l'épée au sol. Ah, la bière. Ah, qui c'est vrai. Allez, c'est infini la blague. Et là, je sais pas qui passe derrière le saut cross-up avec les medium kick. Un des cross-up assez facile à timer pour le coup quand on commence avec Ryu également. Le medium kick, ça se voit pas mal pour faire un timing de cross-up, je trouve. Allez, les petits Shoryu en entière qui pourraient se perdre éventuellement. Puisqu'il a l'air de pas mal sauter ce Ryu. Oh, il a dit, quoi là. Ah, la vision de l'avenir qui a pas fonctionné. Ah, le cross-up sur l'ultra de Camille, si vous gardez accroupi, l'avantage c'est que Camille va aller va faire cross-up, ce qui fait que du coup l'ultra peut pas passer. Notamment sur les persos à charge. Avec les persos à quart de cercle, on peut bourrer dans les deux sens, mais bon. C'est faut avoir l'habitude quand même. 44. Un hasard? Je ne crois pas. Oula, il y a eu un petit croisement, une double TP. Voilà le tic trop qui passe bien. Et derrière, le jump qui a pas été puni par Shoryu. La backthrow qui revient. Voilà, il a fait piffer le Shoryu pour replacer une shop avant. Et derrière, avoir un setup de shop, de saut dive kick. Voilà, la bonne des shops qui est trouvée. Le chacounette qui va punir. Je te pose pas de questions. Le chop, ça passe. Voilà, ils sont un peu plus prudents. Oh, ouf. À part c'est cette vision de l'avenir, mais. Effectivement, tout à l'heure, le Ryu c'était beaucoup. Là, il est devenu un peu plus prudent quand même sur ses sauts. Voilà, je pense qu'il a dû être un petit peu coaché par sa team. Il a dû lui dire dans ce jeu, on ne saute pas. Sauf punition, bien sûr. Oh non, ça fait. Ah, ça va être un peu trop ça. Ouais, dans le dash avant. Dans le dash avant, bien vu. Oh, bien vu, sinon. Et voilà. Ah, mais bon, c'était sur la super. Mais en tout cas, le geste était là. Je sais pas, je la note, mais j'ai juste appuyé sur le. Bah, oui, exactement. Voilà, ça c'est une carotte assez intéressante quand on joue contre des persos à boules comme ça. À part des guys ou des Guken qui ont des recovers de boules qui sont assez bâtards. Mais sinon, derrière une boule, en fait, le personnage va avoir souvent un certain temps pendant lequel il ne pourra pas garder. C'est du coup quand on a un ultra ou un coup qui passe à travers les boules, si vous bourrez les quarts de cercle, si vous moulinez les quarts de cercle dans le vide en attendant la boule de feu, dès que vous voyez partir la boule de feu, vous n'avez plus qu'à valider votre input, ce qui fait que du coup le coup appartient. Parce que le buffer dans Street Fighter est un jeu dans lequel on peut commencer à mouliner les quarts de cercle, et la mémoire du jeu le retient de manière à ce qu'on puisse. Il passe. Je fais une disque en passant mon. La meilleure punition de Camille, c'est gros point spiral. Ça arrache la main. Oui, bien sûr. Ça mange des pions tout le temps. C'est 3x, mais c'est même pas plus que ça, t'as 3x. Non, mais moi je mange pas en général, donc ça me dérange pas de pas manger. Vous auriez. Non. Par contre, le mec, quand il est au tuto, sans déconner, tu fais juste debout ça. Comme le tuto avec son MK et ça le défonce. Attends, il faut que tu prennes un. J'espère que vous aimez la franchise pas, parce que j'ai. Essayez. Il reste quoi une perso là? Bah c'est le dernier là. T'envoies un morceau? Non. Mais c'est genre c'est je sais pas, il me disait on passe en mode manette, c'est chaud. La pizza ça va me déplanter avec la gueule. Je crois que c'est l'aliment le plus sucré de l'état de panité là que j'ai jamais trouvé. Ouais. La pizza c'est sucré? Ah je trouve que c'est bourré de sucre. C'est une cadavre. Enfin de. T'envoies un morceau? Non, il occupe à gagner là. Putain, la pizza ça va gagner. Ok, ça a l'air bon, ils disaient on passe en mode manette, mais ils ont dû faire comme nous et ça doit marcher pour le coup. Elle est où la shop là? Ah bah la shop, le spécial. Ah ok, c'est bon, ouais. Ok, voilà, le bon confirme qui est trouvé.
Alors là, c'est un peu comme son Banka Boo, la jury, hein, quand elle fait. C'est un Banaki ou un Banka, ça d'ailleurs, avec jury, ce Baptifié. Je sens que c'est un Banka. Hein. Ouais, moi, c'est un Banka. Parce que ce le bas LK, il doit être juste normal comme Ryu. Ah, et le bas MK va un peu loin comme ça. Du coup, elle cancel son bas MK. Dès que le bas MK touche, en fait, le Senpusha vient canceller l'animation. Parce que du coup, ça fait combo aussi. Ah, voilà. Alors derrière ça, c'est pareil. Ça, c'est un peu comme son, comme le saut MP de Ryu. Le coup qu'il vient de faire, ça fait juggle. Ce qui fait que du coup, derrière, il peut mettre un coup qui. Voilà. Faire bondir le perso. Fais gaffe, il peut piquer. Oh, voilà. Petite, petite anticipation. Bah, ce qu'il y a, c'est qu'il peut piffer qu'un XM Pusha, puisqu'il a, il a l'Ultra 1 et l'Ultra 1 n'est pas un coup. En ouais, fait, avec Jory. Ouais, mais tu piques, ça te rappelle, hein, le. Ça, c'est ah, dommage. Ouais, il y avait de l'idée, parce que s'il avait bourré là pour le coup. C'est l'école de musique, ça s'est validé. Un ultra de jury, c'est un coup qui lui permet de d'effectuer tous ses coups de manière beaucoup plus rapide en fait. Et de faire des combos qui n'existent pas. Là-bas. Ouais. Si du coup tu t'as pas à craindre un ultra bourré en un moment donné quoi. Voilà la focus qui passe et le Shoryu qui punit. Oh oui, bien joué. Voilà la chope dans ce coup. Alors ce coup qui est un. Une espèce de TP armor hein, donc si vous tapez dedans en fait le perso va se téléporter derrière vous. Ou au-dessus d'ailleurs, en fonction du coup qu'il va avoir fait. L'homme qui a prouvé qu'il est un dragon. Waouh! Demi-tour, droite. Et d'achat avant, après, tu peux faire dragon. Voilà, la dash kick qui passe bien. Ah, c'est dommage, après le coup a touché assez loin, ce qui fait que du coup, il y a eu un petit moment de solitude. À un moment, les persos étaient un peu plus loin que ce qu'ils auraient pensé. Ah, le Shoryu qui passe dans le vide. Peut-être des expire Hero qui pourraient éventuellement passer à travers les boules de feu si jamais il en fait un bas, mais sinon, il faut peut-être mieux être prudent là-dessus. Voilà, il se regarde. Sa zone. Vous voilà! Oh oui! Bien vu! Et l'ultra qui punit le pif de Senpusha qui était censé se safeiser. Bon, on n'est jamais safe quand on bourre un truc, hein. Faut bien en être conscient. À part quand on s'appelle Blanca et qu'on a un ultra pété, mais sinon. Ouais, c'est on est... Ah bah l'ultra boule, si tu. Parce que quand toute la bande qui descend, en fait il est pas safe, mais du coup faut. Ah, mais du coup, faut l'avoir gardé. Parce que si, whiff. C'est abusé qu'il n'y ait pas de recover en whiff en fait. Ah oui, bah oui, qu'il en a un, mais il s'en va à l'autre bout du monde alors. Non, c'est. À partir du moment où c'est un coup sauté, c'est forcément overhead de toute façon. Pas les decks. Ah oui, elle, c'est un coup spécial. Putain, les decks, t'imagines, sont overhead, elle est rasée. Bah, celle de Gen, hein. Le son. Les decks. Ouais, elles sont overhead. Les wall kicks là. Ouais. Bah si ça peut faire cross-up, c'est que c'est forcément overhead. Ah non, cross-up, c'est que ça tape de l'autre côté, c'est-à-dire que t'as la mauvaise garde, mais que t'as pas la mauvaise garde. Ouais, mais enfin, si t'es baissé et que ça tape cross-up, c'est que ça peut toucher derrière. Non, c'est juste que ça tape avant, toi, le mec. Je sais pas, Genshiro pourra peut-être nous éclairer là-dessus, une petite reine. Oh. Du killer sur le chat. Oh, dommage. Allez, Benji, là. Ah, il enlève la petite morceau de pizza, là. Oh. Je me suis lavé les mains! Oui, mais t'as mangé une pizza après! Excuse-moi, je mange pour un bon moment. Non, la pizza c'est dégueulasse! C'est pas grave! La pizza elle est dégueulasse! Y a pas ah, pas on respecte les sticks, les enfants! C'est ça! Ouais. Même Benji, solo, hein! Si, tu fais là! Ah, ils vont sortir parce qu'ils ont un souci de config, mais après ils reviennent, du coup faudra les inviter! Bon, par contre, je vous promets rien parce que j'ai l'air de jouer correctement! Bah, toi aussi? Bah, oui, c'est clair! Bah, tu sais, mais. Peut-être tout ce qui est dragon, comme ça. Peut-être ça me donne rien. Un jour, il y a un mec sur le live, il m'a insulté, mais tous les noms, en fait, il m'arrive. Et lui, il jouait sa carte. Et en fait, moi, j'ai fait 3 dragons dans le match, tu vois. Il y en a. Les 3 sont passés. Mais le mec, sur un match, 3 dragons qui passent, c'est énorme, en fait. Enfin, Dakai, je sais pas ce que t'en penses, mais. De quoi ? 3 dragons dans un match sur le live qui passe, c'est beaucoup. Il y a beaucoup de dragons qui ont touché. En bah, ça fait un mec qui a pas une bonne garde. Ah, mais sur, bah non, mais le mec, elle a relevé, il me tâche dragonnet et les 3 fois, ça a touché. Et le mec, après, il m'a insulté en me disant ouais, mais tu devrais pas jouer comme ça et tout. Ouais, mais c'est le live. Ouais, c'est pas vrai, les gars. Est-ce qu'il faut les réinviter ? Oui.
T'as les mecs qui disent comment faut le trouver. Bah, parfois t'as des mecs qui vont aller. Alors, je suis sûr que toi ça va forcément te parler. Peut-être même Etienne, si vous avez vu un des casts de Ken Bogart sur la DreamHack. Ah, Gandhi. Et bah, Gandhi, bah, Tonio peut se vanter d'avoir été qualifié de Gandhi par un mec qu'il a rencontré sur le live. Je sais pas ce qu'il m'a dit, mais il m'a traduit. Genre le mec il lui dit oh, tu joues comme Gandhi de la dernière fois. Gandhi le magnifique Ryu La petite histoire c'est que. En fait si tu veux Gandhi c'est un mec qui s'est retrouvé contre un joueur de niveau moyen mais un mec qui savait absolument pas jouer qui doit être de votre niveau j'ai envie de dire par rapport à un tournoi il s'est retrouvé sur le stream. Et en fait, ce gars-là, en fait, il faisait un match mais d'une n'importe quoi, mais magnifique. Et en face, le mec, il s'est joué vraiment, il s'est pris mais toutes les carottes de l'histoire. Alors il prenait des balles, il a dû prendre au moins les 25 balayettes de Ryu en garde. C'est-à-dire que tu punis par ultra, par exemple. Le pire, c'est qu'il a puni la première et aucune derrière. C'est clair, quoi, mais c'est abusé. Et en fait, si tu veux, c'est que le Gandhi, il avait le mec, il joue, mais n'importe quoi. Enfin, il avait, mais lui, il était en son match et tout, mais. Et en fait, l'autre joueur, il y avait. En plus, tu vois, les commentateurs, ils étaient en train de pleurer de rire. Ils disaient, mais franchement, mets ta garde, il va pas te chauffer, Et en fait, derrière, en plus, lui, il était en train de rager, il était. Mais arrêtez, c'est pas marrant et tout. Ah ouais, peut-être il se retournait, c'est abusé. C'est pas marrant, mais si. Allez, c'est parti. Allez, Benji. Benji contre Kevin. Ah dommage, le deck breaker voilà. Qui passera sous les boules que s'il est en EX pour le coup. Mais il y a de l'idée, mais en début de combat, on n'a pas assez de barres pour pouvoir être suffisamment menaçant à ce sujet. Oh. Ah, très bien, ça a utilisé juste pour avancer comme ça éventuellement, à la façon d'une rolling de Blanca. Blanca, c'est quand même crade, 0 fois 2, son coup de même. Ouais, j'avoue. Bah, c'est un Tatsu, quoi, c'est son Tatsu à lui. Quelque sorte. Ouais, pas le Tatsu, ça va passer. Sazono Kunai du coup, le Penguin Kick qui est pas le coup le plus safe du monde, hein, donc il faut éviter de faire part en carotte. Ah, ah la garde baissée, ça n'existe pas monsieur. Ouais, on a même pas le temps de te chauffer. Ça n'existe pas. Ah bah ça oui, bah, pas. C'est le principe. Mais j'aurais bien voulu voir des Katsugiri piffer moi sur certains sauts. Hein. Et ça c'était juste pour lui laisser un petit avantage parce qu'il savait très bien qu'il allait le violer. Ah, il faut se relever. Hein. Ah, mais attends, ça va trop vite. Mais non, ça va pas trop vite. Oh la vache, allez, c'est bon, bon joué, Frédéric. Ah, il y avait punition là. Non, mais attends, tu pourrais faire. C'est toujours des dragons, mais tout. Si, il y avait punition. Oh là là. Bon bah, les gars. Ah, 1-0 pour le Benji, Benji qui n'est pas réveillé. Tu peux retourner maintenant si tu veux. Non, c'est en deux. Ouais, non. Je vais laisser Romain jouer. Ah, c'est en deux. Adieu, tu vois deux. Ah, c'est pour ça, c'est en deux. C'est pour ça, c'est à chaque fois. Ah, c'est des pièges, c'est des pièges. Hop là. Je suis en train de me battre depuis tout à l'heure avec des grandes chaises. La pizza, elle est bien dans le fond là. Oh, la Benji, elle est pas mal. Non, je suis pas d'accord. Quoi ? Je suis pas d'accord pour là le match qui a été trop vite. J'avais même pas le temps de. C'est horrible ça. Là, t'as froid. Non, mais j'aurais dû plus zoner. Mais d'ailleurs, ça y est, au Stunfest, il y a Noé, ils m'ont dit ils ont trouvé une salle, mais en fait, il y a tout le budget du crowdfunding, il dit. Ouais. Et ben, il y a tout qui est passé dedans, dans la salle, juste la salle. Hop, et donc un premier set pour les D-Boys. Pour faire venir des joueurs, en fait. Bah, parce qu'en fait, ils ont tout mis dans la salle, en fait, ils ont pas eu le choix. Et en fait, il y a Justin Wong qui a fait un appel aux dons pour venir. Pour venir, ça fait. Ouais. Justin Wong va venir. Non, il a fait un appel aux dons. Bah, il veut venir. Ouais, bah, il est 10 ans du Stunfest, c'est déjà. Ouais, mais il y a déjà le Stunfest qui fonctionne comme ça, en essayant de faire en faisant un appel aux dons pour organiser ce genre de trucs. Ouais, mais en fait, c'est ce qui se passe, c'est que tous les dons. Doublons, du coup. Ouais, mais tous les dons, en fait, ont été pris là, parce qu'en fait, ils ont eu 10 000 euros de dons, hein, quand même. Mmh. Mais tout a été mis dans la nouvelle salle, en fait. Mais attends, d'accord. 2 jours. 3 jours, 10 000 euros. Bah, non, c'est pas 3 jours. Eux, ils louent la salle pour une semaine, une installation à la désinstallation. Ils ont coûté 10 000 euros de louer une semaine. Bah, de cette taille, ouais, sûrement. Ouais. Nous Arène. C'est quelle salle? Bah, je sais pas, il a pas voulu me dire parce que non, déjà il fait pas me spoiler le truc, du coup je balance à tout le monde direct ici. Voilà. Donc on a dit. Non mais voilà. Et mais en fait t'as tout qui est passé dedans en fait là. C'est... Et en fait à la base les autres joueurs en fait c'était pas Troy qui finançait, c'était E-Live et Watch Damage qui se ruinaient à les faire venir du Japon, un truc comme ça. Puis là bah du coup vu que bah ils sont ruinés, ils peuvent pas quoi. D'accord. Bon. Je suis dégoûté, il y aura pas de Ume-Chan là. C'est
Bah, d'ailleurs, faire venir en France, c'est un petit. Oui, mais bon, enfin, vous faire venir quand même quelques heures. Mais, le principe. Ouais, bah, je pense, on n'a pas fini, les dons, il reste encore un bon mois, ou 3 mois, Daigo et compagnie, le principe, c'est pas que eux sont déjà sponsorisés pour nous. Ouais, sauf que Daigo, il a un sponsor un peu particulier. Changeons de manette, c'est pour ça qu'il faut les réinviter. Ouais. En fait, Daigo, c'est le seul sponsor au monde, en fait, où il se fait pas payer ses voyages, où c'est les événements qui invitent Daigo. Ouais. Et c'est un truc d'enfoiré. En fait, le sponsor ne lâche jamais une putain de thune sur ce mec, en fait. C'est jamais les événements qui doivent l'inviter, mais genre t'as des événements, mais les mecs ils demandent 5000 balles pour le faire venir quoi. Mais je dis, mais vous avez délié les gars! Putain, c'est ouf! Et en fait, bah. Ah, mais bon, en même temps, tu me diras, ils savent que. Bah, il est long de faire venir. Hein. Voilà, t'as envie de faire venir le meilleur joueur du monde, tu sais que ça va faire venir des gens juste pour le public qui a envie de voir ça, genre. Bah, c'est clair, bah, écoute, tu fais ton pouvoir dans le monde un peu moment, tu vas à des endroits genre. Il y a quelques joueurs qui sont trop. Tu vas à l'Evo ou truc comme ça, bah les mecs, il y a 2000 joueurs qui viennent, ne t'inquiète pas. Tu vois, les Shadow Shodan où il y a 1500 joueurs. Bah, le Stunfest, c'est pas nous. Bah, le Stunfest, c'est pas nous. Ah, bah non, c'est pas nous. Il y a des gens qui viennent pour nous faire du ski. Bah, ouais, c'est ça, c'est que le Stunfest, c'est pas nous. C'est pour ça aussi, peut-être. Ouais, complètement. C'est pas sponsor, mais du coup, le cash prize fait que ça doit aussi amortir un petit peu le coup de. Je pense qu'il sait pas que pour la gueule du mec. Aussi être le cash prize, aussi, ouais, il touche un peu les bah, parce qu'il est obligé de payer au quotidien. Ah, bah, ouais, oui, c'est clair. Voilà. Enfin, c'est pas des fusées en fait. Ah, c'est normal, ils sont en train de se changer. Problème technique. Mais tu vois, enfin, ouais, il y a des gens. Ah, il s'est reconnecté. Enfin, voilà, t'as pas mal de joueurs, ça qu'on aimerait bien voir. Quoi, mais Justin Wong, sérieux, s'il arrive à avoir les fonds, c'est trop stylé de voir Justin Wong. Non, j'avoue. Ça, c'est un joueur sorcier. Ah, Justin Wong, mais c'est le mec, ça m'a fait marrer, c'est. Justin Wong. Justin Wong. Justin Wong. Elle est pas chaude la plaque? Si, mais je suis un bonhomme. Mais non, elle rentre pas dans le four, elle peut pas être chaude. Ah putain, j'avais d'accord, ok, tu l'as pas mis sur. Non, j'ai fini. Vas-y, parce que moi je peux pas me plier plus que ça. Ouais, non, mais la plaque était pas livrée avec le four en fait. Ah, peut-être. Ah non, c'est bon, attends. Vas-y, faut l'inviter, je pense. Parce que quand on l'invite et qu'il est pas. S'il était pas connecté? Non, normalement c'est bon, il l'a pas vu. Bon, vas-y, on va. Bon, bah reviens alors. Peut-être que c'est marché. C'est aux anchois. C'est les bolognaises. Toi, tu veux des anchois, toi? Ah non, c'est pas. Ah non, c'est du tout. Ah, exact. Alors, parler de génétiquement, en fait, ce mec-là, c'est l'homme qui a la plus grosse campousse de l'histoire du jeu vidéo, par contre. Ouais, mais c'est, tu vois, c'est aussi pour ça. C'est pas de. C'est un américain, hein. Ouais, c'est un américain. Ouais, mais. C'est parfaitement asiatique, quoi. Moi, ça me ferait plus rêver de voir venir un Daimin Yon, par exemple, tu vois. Ah oui, un mec qui a un perso de camp et qui ne campe pas, ouais, ouais. Ça je respecte. Ah lui c'est l'inverse aussi. Un mec qui a un perso d'agression et qui campe, mais couilles quoi, putain. T'as des choix là, s'il te plaît. C'est pas un peu. Ce qui m'a fait rire, c'est quand ce mec là a rencontré Fudo. Alors ça c'était magique. Tu me diras, ouais, ça fait des bons stratèges quoi. Bah c'est un truc de dingue parce que Fudo en fait est targué comme le mec la plus grande scampouse du Japon, mais avec un perso de camp. Ah, Fudo, je trouve pas qu'il joue en camp. Hein. Ah bah, peut-être pas, mais en fait, c'est considéré comme à l'époque. Pour un Feilong, en tout cas. Ah, pour un Feilong, peut-être, c'est mais je sais pas. Mais en fait, tu vois, il a été considéré comme. En fait, le jour où Justin Wong a rencontré son jouet, Justin Wong, il était. Putain, mais en fait, il va vraiment jamais venir, quoi. Ça, c'était magnifique à voir. Ah, c'est ouf, hein. Bah, quand tu vois que le mec, t'es... je veux dire, ce mec, c'est comme Baki, le mec, il te met dans le corner, il s'en va, quoi. Non, ils vont pas faire ça, le joueur, les joueurs pro font pas ça, mais Baki, il le fait. Ça, c'est classe. Mais il le fait moins maintenant. Mais t'es peut-être temps qu'il arrête. Ouais, parce que tu vois, moi, pas trop de chance à 64, mais à 2x, ouais. À chaque fois que je me prends un reversal alors que j'essaie de faire une attaque qui est très très dure à timer pour faire un safe jump, bah, tu finis par te dire bon, je mets le mec à terre, je me recule, j'envoie une vie. Ouais, bah, ouais, mais ça fait partie du jeu après, tu vois. Ouais, mais en fait, là, tu veux dire, c'est parce que c'est plus, t'as plus de résultats en campant qu'en attaquant, c'est ça? Bah, à éviter les attaques à la revue. Street 4, tu fais, y a des setups, hein, tu te fais jamais avoir. Mais ça, le truc, c'est qu'en fait, alors effectivement, tu joues contre Ryu, c'est très 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 dur de le baiser à la relevée. Mais il y a des trucs que tu peux faire, c'est que si tu taffes des setups contre des persos qui ont pas de reversal invincible, c'est-à-dire bah, peut-être 75% du cast, là, je pense. Ouais, possible. Par exemple, tu veux faire un saut cross-up, bah, tu sais que quand t'as mis le mec à terre, tu peux regarder des vidéos de mecs qui jouent bien le perso, oui, tu vas voir qu'en fait, par exemple, tu fais bam punch, tu sautes et puis bravo, du coup, tu vas faire le safe jump. Par contre, si c'est contre un Ryu, tu fais le même setup, ouais, le mec il va se dire, il essaie de me baiser, il sait pas que ça marche pas contre un Shoto, mais sauf que tu frappes pas. Et là, du coup, tu gagnes une frame et tu peux baiser le Ryu. Bon, là, on est reparti là. Allez, donc Eric contre Romain.
C'est parti. Voilà. Qui veut pas sortir son Youn, hein. Il veut rester sur le bouquin, donc il a des... Vous, ce Shoryu qui était absolument dans la garde, vous voir une grosse punition. Il faut choper, il faut... Oula, ça joue au Shoryu et pas à la propreté, là. Voilà, la balayette qui me vient à terre. Oh, par contre, ça brûle le Shoryu à la relever. Voilà, et là... Oh, bah non. Ah, il manquait le confirme. Okay. Voilà, là, il l'attend pour pouvoir balancer des Rikukyaku, hein. C'est un peu le même principe que tout à l'heure. Il était parti du principe où on était sur un... 44, ouais. Moi, c'est un moins de gueule. Mais c'est... Quand c'est eux qui le font, ça a pas de gueule, je trouve. Hein. Tu peux t'aider plus notre part. Déjà, vous. Voilà. Garantie. Voilà, la balayette. Pas hésiter à reprendre de la distance, hein, aller un petit peu respirer vers l'arrière avec avec Buken. Cool. Voilà, on saute pas, monsieur, qu'est-ce que vous faites? Cool. Et de temps en temps, un petit saut vers l'avant éventuellement pour essayer de casser le rythme. Ah dommage. Ah, ça c'était le contrex, il partenaire minceur. Contrairement à Little Buken. Ouais. Putain, mais j'arrive pas. Ah, t'as appelé... T'as appelé Bonus. Ouais. Mais si, c'est la Bonus. Ah là, faut bourrer un truc. Sérieux? J'ai passé un truc mystique, là. Le feu de Félou, stop les boules. Le Reka Kan EX qui a l'air de péter les boules. Tu veux la mettre? Non, mais c'est pas... Bah tiens, ce que tu fais, c'est que tu débranches le stick et tu branches l'adaptateur à la place. Ou même pas. Donc l'adaptateur... Ouais, c'est ça, voilà. C'est quoi la manip de l'Ultra? Hein? C'est quoi la manie de l'Ultra? Bah c'est rien. C'est le duo. Ah c'est le duo comme ça. Un quart de cercle. Double quart de cercle. Voilà, comme papy normalement. Tu fais du saut gros pour plat, c'était ça. Ça c'était ça, mais par contre, ouais. J'en ai plein des comme ça. Mais bah tu les gardes pour toi. Alors je connais comme papa dans maman, comme papy dans maman, je connaissais pas et je trouve ça très crade pour le coup. Ouais, j'en ai des pires. Ah putain, c'était... je sais pas si t'as connu Lionel... Comme papa dans ma vie, c'est dégueulasse. Ah. Ryan. Oui aussi, c'est comme papa dans le bébé aussi. Et donc... C'est dégueulasse. Ah, je ne cautionne pas. Non mais je sais pas si tu vois, c'était qui Lionel, le fondateur de la soirée? Ouais. Bah en fait, un jour, j'ai sorti comme papa dans maman à sa petite sœur, tu sais, qui a genre 7 ans de moins que moi, quoi. Et elle fait, ah, t'es dégueulasse et tout. J'ai dit, bon, quoi. Et elle fait, mais je pense que je peux faire mieux que toi. Et je fais, bah vas-y, je t'écoute. Elle a réfléchi, elle fait, ah. Et là, elle me balance comme papy dans maman. Oh, et là, j'étais putain. Moi, j'ai arrêté la bonne école. Hein. Ah, bah, j'avoue, bah, c'était Lionel qui était en face en même temps. Il y a un moment, oui. Antonio. Allez, Tonio qui se lance. Allez, Tonio. Oh. Le pas gros point qui a. Ouh, il y avait un Shoryu qui était dans les bacs. Oh là, ça. Ah, il a bien carotté avec la focus cancellée par le dash arrière. Non. Oh, voilà, ouais. Il est temps de respirer un petit peu. La boule de feu, attention au Rekaken, voilà. Au Rekukyaku. Voilà. Le gros point qui tue. Dirais à tout le monde, réfléchis de la même manière. Du coup, voilà. Faire très attention quand tu vois qu'il est à la distance où tu commences à peu près à cette distance-là. Souvent, il va attendre la boule de feu pour mettre son coup qui passe à travers. Ouais, mais par contre, sinon, c'est pas. Donc parfois, il faut juste attendre, tout simplement. Parce qu'on sous-estime en fait le pouvoir de la garde et de la patience. Mais pourtant, c'est une manipulation très difficile qui consiste à mettre le stick vers l'arrière et qui est extrêmement efficace. Le pire, c'est le qui, c'est. J'ai des problèmes à l'infini. Parce que, en fait, si tu veux, je vais faire le manque du nom de gardeur. Oh la vache. Oh oui! C'est super à l'autre bout de l'écran qui passe! Voilà! Sur le pied! Voilà! Il l'a broyé mentalement, en fait, c'est ça. Il a pas pu, quoi. C'est pas possible. Cette super l'a broyé mentalement, du coup il a pas pu garder le. Quoi ce mec, approchez ta porte. Il est juste chaud. Ah, et on saluera Nico qui vient de faire une apparition sur le chat, du coup. Master Cookie. Non, Nico, la griffe Néo Angevine.
anciennement parisienne et Néange, d'accord. Qui est venu nous voir la dernière fois d'ailleurs à Nantes. C'est mon collègue. Ah oui, bien sûr. Cette magnifique griffe qui reviendra nous voir comme veut d'ailleurs. Pour une griffe, on va dire, parce que les griffes, voilà. C'est juste quelqu'un qui assume de jouer griffe et qui n'a pas peur de se dire il faut assumer de jouer les persos les plus beaux. Je sais pas, je préfère jouer Chun-Li en ce cas-là. Chun-Li? T'aimes jouer transsexuel et je jouerai griffe dans ce cas-là. En fait, quand il enlève son masque, on voit que c'est un homme, finalement. Oui, par contre, quand on l'écoute, on le voit pas. Hein. Ouais, mais quelqu'un qui ressemble à une femme, comme la femme représente la beauté. Ah, il est d'accord, oui, de l'école de Ziti. Ouais, ça c'est. Ouais, par contre, j'avoue que dans Street 2. Ah, ça pense à des choses dégueulasses tout de suite. Ouais. Apparemment, non, mais nous, oui, maintenant. Etienne. Ah, voilà, mais évidemment qu'il est trop beau, Clo. Là, avec Nico, on se comprend, tu vois. Par contre, les Parisiens, soit ils sont bourrés, soit ils ont activé le clavier anglais parce que tous leurs A deviennent des Q. Bah, c'est mieux que. Oh, c'est la revanche. Ah, c'est la revanche Ryu Ryu. Les Ryu Ryu. Oh. La manette, on va. Oh, yeah. Attention, parce qu'il a l'air de voir que. Voilà, le close gros pied. Oui. Le Tatsu qui passe. Et voilà, maintenant, faut zoner un petit peu. Ah, derrière balayette, tu peux punir par balayette. Il faut le savoir. Tu sais qu'en fait, on se rend pas compte, mais la balayette de Ryu, c'est peut-être la meilleure du jeu. Juste après Chun-Li. C'est quoi, Akuma, quoi. Elle est moins bien, elle est meilleure. Elle va plus loin, elle va plus vite. Ouais, non, mais elle va plus vite. Je te jure. C'est le bouquet, elle est vénère, quoi. Ryu, elle est 105, et bouquet, elle est 106. Yeah. Reversal. Ouais, c'est au niveau du recover, alors ça va être... Non, ah, c'est trop dur, là. Ouais, mais c'est ça, c'est qu'il est pas punissable, c'est clair. Ah oui, c'est ça. Non, elle est punissable, mais vachement moins facile. Sur Ryu, t'as moins 4, t'as moins 16. Hein. Ou moins 14, moins 14. Alors que Wakuma, tu l'as à moins 8, quoi. Non, mais sinon, c'est le Ryu, elle sort plus vite, elle va plus loin. Avec Clo, ça reste facile dans tous les cas de finir. Ah, mais tu vois, c'est un truc con, mais Ryu, tu vois, il peut. 20 gros points dragon. On voit des 2 hits combo, rendez-vous compte. T'as une super, mec. Super. Son groupe. Saut gros pied balayette, c'est super gandier là, et voilà. Oh non, regarde. C'est pas grave, t'en as rien à foutre. Par contre, tu peux balancer des chacounettes, des bouliex pour lui péter son jeu de boules. Voilà. Pas besoin de super. Ah, cette barre là, tu fais des boules avec le 3 points là. En bas, en haut à gauche. Ouais, mais il faut que je fasse. Parce que du coup lui il est en shit, il se dit putain je prends un coup je vais mourir. Du coup il essaie de faire des petites boules. Si toi tu lui balances des boules X, ça fait 2 hits. Donc tu vas le baiser quoi. Hits, non. Oh merde, j'ai flingué une chaussette. Ça fait 2 ou 3 hits. Hein, le grave. Putain, parce que moi j'avais l'impression de faire la même là. Ouais tiens, regarde. Ouais, mec, tu vois qu'on se check le pied. Voilà. Non mais je prends exemple sur Ryu. Ryu il marche toute sa vie. Il en reste 2 joueurs. Cette place. Il en reste 2 joueurs, ouais. Yes. Ah, oh, il y a Tonio, mais il est chaud comme la braise. Hein. Ça va, ouais. Non, mais tu vois, je joue Ryu, les gars. C'est garant, ouais, c'est vrai. Mais tu sais qu'on m'a fait troller, moi, à l'infini, parce que tu vois, je gagne des matchs, mais du coup, on fait ouais, mais parce que tu joues facile et tout, c'est trop facile, Ryu et tout ça. Et bah, moi, je dis pas ça du tout, hein. J'ai pas dit quoi. Os, par contre, lui, il y va. Je dis pas ça parce que moi, je ne crains pas les gens comme toi, tu vois. Non, mais moi, je crains les autistes, en fait. Je crains les persos qui n'arrêtent pas à l'infini, les Rufus, les trucs comme ça. Tu crains les grands, quoi. Les Rufus, les Camille. Enfin, non, Camille, à la limite, ça va parce que... Ah, Blanca. Bah, parce que j'en croise plus, donc... Blanca, c'est horrible de jouer contre Camille. Ah, mais je trouve que Rufus il est pire parce que il va encore plus vite. Oui! Que Camille, si t'as une bonne défense, hey, Tonio, là. Tu peux la baiser, mais elle a pas autant de vie que Rufus quoi. Et elle fait pas chop avant 150 de dégâts quoi, pour arrêter. Mais il fait pas 150! Ah, Rufus? Non, il fait pas 150. 150, c'est le dragon fort Ryu. Allez, ah ouais, alors là, ouais, on vérifie, mais de ce pas quoi. Ah bah, on vérifie complètement. Et est-ce que tu veux, mec? Il fait pas 150 en chop avant. C'est la meilleure shop du jeu. C'est avec la meilleure shop du jeu, mais elle fait pas 150. Avec celle des gros. Elle fait pas 150. Elle fait pas 150. Ah, y'a une griffe. Ah, y'a une griffe. Ah, bah c'est Morphinoff. Voilà, qu'est-ce que tu fais à sauter, monsieur? Tiens, bah je vais checker moi.
pas mal déjà. Plus de tatsu. Voilà le tatsu qui passe. Là, il fait s'il est où. Ah non. Ah là là là. Ah, il est là. Ouais, c'est pas mon mode. Regarde, mec. Et ultra. Ah, le shuriken qui passe. 50. Et voilà. J'ai pris suffisamment pour. Mais regarde là. Tu prends une chope avant, tu regardes juste ta barre. Tu vas voir. T'as plus de. Non, mais je vais te montrer un truc qui me fait mal au cul, quoi. Je te dis, c'est. Mais je crois que. Boule, je crois que par contre, ça va être. Ça va être nerfé, par contre. C'est vrai que c'est abusé, mais les refus s'en branlent parce que c'est pas un. Enfin. 150 ou 140. Oh, voli, 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 voli. Ouais, mais yo, c'est son Shoryu fort, c'est 150 quoi. Oh, arrêtez, ça fait autant que Shoryu fort de Ryu. Non, ce qui est pas normal, c'est qu'un coup spécial fasse 150 en un coup. Bah, en fait, avant, il le faisait en 2 hits. En fait, tu vois, moi je préfère. C'est 2 hits, hein. En fait, avant, je t'explique que le Shoryu fort de Ryu était cancellable. Ah ouais, donc. Peut-être mieux le mettre comme ça. Ouais, mais c'est un Shoryu, c'est déjà trop fort. Ouais. Oh merde. Ah, dommage. C'était bien joué le Solar Plexus là. C'est toute beauté quoi. C'est chaud. C'est juste chaud. Il aura pas se laver les mains. Non. Celui qui t'a battu tout à l'heure, c'était le Ryu. Et là, tu l'as battu. Je peux pas jouer avec le Simon. Lui, c'est celui qui jouait tout à l'heure. Tu l'as battu aussi tout à l'heure, mais il jouait pas le même perso, il jouait Gan. C'est pas grave, moi je fais confiance à la fille ou Kunyan. Allez, Benji Mounet. Oh, excuse-moi. Après, il y a une okay. Partagée entre 6. Elle dit souvent ça, et ça se passe pas. Bah, il se lave les mains, hein, il arrive. Bon, ça va, bah il essuie toutes ses selles. C'est que le mec il se tape des grosses segs et après il veut toucher le stick avec ses mains pleines de foutre aussi donc. Putain, qu'est-ce que tu veux qu'on me dise. Ça passera pas sur TF1 ça. Non, ça va. Enfin, moi aussi, du cul. Ouais, j'avoue. Tiens, nous jette, c'est parti. C'est vrai, c'est nous jette, mais du cul. On va faire Viol Island Academy. Ah ouais, voilà, c'est ça. Non, il faut un peu plus de gonzesse, du coup, mais c'est bon. Et pour s'en sortir, elle aura le droit à un préservatif, un tampon avec ses, je sais plus quoi. Ah oui, j'avoue. Le défanusseur de Chartres. Bon. Amis, soir, bonsoir, et nous saluons toute cette propreté. Allez. Non, par contre, c'est la 10ème année, ouais, je vois sur le terrain, mais la 10ème année, il y a un terrain qui s'en veut le pâter, les mecs. Tu sais qu'il y aura un tournoi de Breaker. Oui, j'ai vu un tournoi de Breaker. Ouais, mais à chaque fois, ça me fait marrer, quoi, qu'ils mettent Breaker dans le tournoi. Allez, hop, c'est parti. Benji qui va montrer qu'il maîtrise complètement le match-up clos. Regarde, il la prend blonde. Un perso en arnaque. Oui, d'ailleurs, il joue comme. Comme Nico d'ailleurs, qui ne respecte pas ce perso, qui le prenne en boulot. Même moi je cautionne pas ça, c'est pas possible quoi. Oh, voilà, Reversal. Overhead. Un perso à charge, il faut lui balancer des overheads. À partir du moment où c'est un perso à charge, il doit souvent garder en bas. Merde. C'est quoi, ça, ça fait du combo un peu. Ah dommage, ouais. Alors ça c'est pas officiel, hein. Effectivement c'est plus facile quand on a pas beaucoup d'expérience de faire des... de faire des Cosmic Heal tout balayette, mais quand on veut après essayer de passer un cap, il faut absolument essayer de passer l'escarré terror derrière, mais ça implique de savoir bien garder sa charge. La glissade de Clou, elle est pas safe du tout, hein. Faut balancer, faut que tu moulines dedans. Ouais, vas-y, je t'en prie. Non, tu es plutôt à l'anglaise, comme moi il n'y a pas de confinement pour petit et puis moins, tu vois. Ah, petit, dommage, le combo qui ne passe pas. Pour ça qu'on y... La chope arrière. Après, t'as tous les trucs. C'est la chope pour ça. Non, là ça va, elle fait 120. Ah, voilà. Les petits kunai pour essayer de péter les couilles. Ah, et le combo qui passe. C'est Umera Daigo. Et Ibuki. Ah, c'est de... ouais, ça serait passé là pour le coup. Allez, Etienne. Un petit ultra des familles. T'as le droit de changer de perso si tu veux. Bah, non. Je garantis. Mais c'est bien, c'était qui lui? C'est Morphinov.
qui jouait tout à l'heure le gars. Ouais. Avec son masque. Comme ça, on le connaît pas. Et c'est Gaël qui a mis un masque, en fait, tu vois. Mais t'avais... C'est pas drôle, ça, un perso qui avait... Ouais, il y en a dans des jeux de baston, en fait. En fait, il y en a, c'est... Donc, le principe, c'est... Il y en a deux principes. Il y en a un, c'est... Ça prendra un personnage au hasard dans le cast, et ça va prendre son... sa commande. D'accord. Donc, la pose, l'arme et tout, mais par contre, il a son costume à lui. Ok. Et t'as ça... Et c'est parti. Et t'as aussi... Et t'as MK aussi, qui va jouer contre Claude et qui va nous montrer comment on traumatise une griffe avec Camille. Mais bon, le tweet s'approchait, mais voilà, voilà la bonne focus qui est trouvée dans les coups de griffe, hein, parce que le coup de griffe qui permet de péter les focus dans la mesure où c'est un perso à charge, le seul normal qui permet de le faire, c'est un Sten MK, un HK, et le Sten HK ne touche pas deux hits au corps à corps, pas de loin. Par contre, bah, il a tous les meilleurs. Voilà, la rolling qui est trouvée. Non, tout va pas mal en point de vue. Bah non, en fonction de... Alors, ça par contre, il faut vraiment se rendre compte que c'est très 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 unsafe. Les Flying Barcelona de Klo sont vraiment très très punissables. Et à la limite, faire un Spiral Arrow, ça pourrait suffire à la limite, même en tant que première punition pour t'habituer à punir le perso. C'est aussi en fonction de leur dommage, tu vois, Camille, elle a... Oh, il va te punir. Ah, ça, ça gratte, mais ah, et l'ultra qui va passer. Le splendide. Non, ça tue pas, donc tu peux refaire le mais ça ne tue pas. Ça va chier. Oh là là, oui. Dragon, dragon, il y a rien. Oh oui, non. Ah oh, dragon, dragon. Oh oui. Oh. Alors, on voit bien que ça le touche pas. Bah, c'est bien ça. La hitbox, mec. C'est la magie du dragon, hein. C'est... Ça touche. C'est, qu'est-ce que c'est beau. C'est Camille, c'est comme... Camille, il est pas trop frame. Mais qu'est-ce qu'il touche partout? Bah déjà, il fait max dommage sur toute la montée et il va tellement loin. Ah, c'est cool, hein. Mais je suis très étonné de ce caractère du dragon de Ryu là qui fait pas le même nombre de dégâts en fonction de l'endroit où il touche. Ouais, plus il touche bas, plus il touche fort. C'est fou ça, quand même. Bah non, c'est plutôt en fait Camille qui est bizarre, la plupart des persos ça fait ça en fait. Mais si tu veux, je prends l'exemple de Ken en fait, de toute façon. Bah, il est multi, lui, donc ça explique du coup. Mais Ryu, je pense qu'ils ont fait ça pour équilibrer le fait qu'il a plus qu'un seul hit. Ouais, puis faut pas déconner, si c'est entière, voilà. C'est moi, je veux bah déjà il est anti-air, ça veut dire qu'il y a des anti-air. Bah oui. Oula, ça se croise pas mal là. Après Ryu il a pas de backdash. Hein. Allez, le Flying Barcelona qui est bien passé. On reste calme sur la relevée. Et sa zone. Alors là pour le coup, le jeu se fait beaucoup plus en saut voilà. Hein, contre Klo. Puisque Klo est dépourvu d'anti-air vraiment viable. Donc si on trouve la bonne distance, on peut lui sauter dessus de manière assez efficace. Voilà, la chapeau qui s'est trouvée, et maintenant on lui saute dessus et on le martyrise. Voilà, là il a perdu sa griffe, donc du coup il va tout faire pour s'en rapprocher. Heureusement il a pas réussi à passer dessus de manière efficace, et voilà l'ouverture de garde qui est trouvée. La chop qui passe également. Oh oui. Et oh oui, l'ultra qui va gratter. Du coup là la seule solution qu'il avait c'était de balancer un flip-tick ou flip-point. Flip-tick d'ailleurs parce que flip-point l'aurait remis dans l'ultra, dans la fin de l'ultra probablement. Et donc MMK qui s'impose et qui sort le Klo de Morphinov. Je reviens là, ce que tu disais sur Camille en fait, que quand tu commences à la jouer c'est garanti. C'est à un moment j'en avais ras le cul de jouer Ryu parce que je me faisais défoncer par tout le monde et je commençais à perdre espoir. Mais je suis passé à Camille et j'ai fait ah mais tiens mais c'est pas si ce perso. Alors je l'ai joué depuis deux jours. En même temps je Hein je non bah non mais après c'est parce que... Ah. Non mais le problème c'est pas Camille, c'est que tu connais... C'est pas ton jeu en fait. Si tu veux, tu vois, t'as des mécaniques de 2x, mais ça se voit tellement dans ton jeu. J'ai pas trop. T'as comment tu fais, t'as tes positionnements pour faire des shops, tes positionnements pour tes dragons, mais c'est tellement ancré dans du 2x tout ce que tu fais. Du coup, bah c'est pas forcément un mal, mais du coup, bah. T'as des trucs qui ne t'approprient pas. Peut-être t'oses pas trop les crochets, t'as vraiment peur des dragons. T'as vraiment peur des dragons, alors que là, les dragons. Tu te prends cher à la. Mais justement, mais là, t'as moins raison d'avoir peur. Un dragon dans 2x, c'est vachement plus vénère que dans Street 4. Tellement vénère. Et du coup, tu peux aller dans ce lancer, enfin dans ce... Ouais, mais tu peux. Ah, c'est le retour de la revanche. Non, pas l'heure, c'est retour. Allez, t'y as l'idée. D'accord. Non, mais du coup, là, je vais commencer à jouer en fait. Ah, ouais. Là, je pense que je vais changer un petit peu pour qu'on a tout de suite. J'avoue que ça pourrait être pas mal, ouais, t'as d'avoir un second perso et qui est déjà dans ton... Mais c'est vrai que, ouais, mais... C'est pas pareil. T'es moins... Enfin, c'est vrai que c'est un perso qui est pas mal carotté, donc c'est assez efficace de jouer ça, j'avoue.
Bah, des matchs que j'ai gagné parce que le mec il arrivait pas à passer de la transition du mec Ryu Zoni à un mec qui fait des tips trop. En plus, mon Zangief il est quand même crâne, hein, ouais, que... mais un Zangief, ouais, plus il est imprévisible, plus c'est difficile. Enfin, moi je trouve, pour jouer pas trop mal, je trouve que c'est très difficile de jouer contre un Zangief un peu imprévisible parce que autant celui qui respecte le match-up il sait qu'il va devoir chier, qu'il va devoir guetter le bon moment. Un qui est un peu imprévisible, c'est... tu te dis mais putain, mais c'est impossible, il fait des 3-6 à des endroits où ça n'existe pas, tu vois. Ouais, genre dans un coup de zoning, tu te dis quoi. Du coup, tu prends une chope à la mi-écran, quoi. Tu te dis mais. Ce qu'il y a, c'est que Zangief, il chope des bons nerfs d'ailleurs. Le tel, la le light, la light chope. En fait, je t'explique, Zangief, c'est un personnage, le mec, si je fais ça, là, tu ne touches pas. Mais par contre, Zangief, il fait ça, il ne touche pas, mais il chope. Ouais, c'est vrai, c'est cool. C'est abusé, hein. Allez, Etienne, c'est pas fini, 44 mec. Allez, le 44 qui est là pour essayer de donner un petit peu de courage là à Etienne qui va sauver le monde. Non, mais non. Regarde, ça va chier. Déjà, c'est un super premier round. Oui, qui reste, mais 44 c'est chez nous aussi. Et puis c'est le chrono qui tombe le plus souvent. Hein, ouais, on le voit trop souvent. Mais c'est un truc de ouf quoi. Il y a une fatalité là-dessus quoi. C'est un truc de malade. Ouais, mais c'est parce que c'est pour nous. Ah ouais, non, mais c'est complètement ça. Je suis sûr qu'aux États-Unis, les mecs ils doivent être dans le 44. Voilà, on ne saute pas impunément. C'est pas la fête. Voilà, voilà la dev kick qui touche bien. Oh, dommage. Ah dommage. Là à la limite un spiral aurait peut-être bien pu me punir. Ah la focus qui est un petit peu décalée, c'est dommage. Là tu peux faire le crash. Voilà la bonne déchoppe qui est trouvée. Ah il aurait. Il ne s'est pas raté. Bien joué cette jury qui a fait le taf. Hop. Des lieux. Yes. T'es encore en deux mois de gagner. Ouais. Ah, d'habitude c'est en. Bah, à chaque fois on se propose en fait quand il y a pas de. Quand ça dure pas trop longtemps, on se propose de faire un. Bah, je vais leur demander s'ils veulent repartir en un set ou s'ils veulent free player. Hop. Oui, j'ai un des verbes moi. Oui, en même temps c'est le français des français avec l'anglais. Hein. On envoie le cidre après. Cidre. Ah, la galette. Aussi la galette. Ah, j'avoue. On peut tranquille. J'avoue. Bah, tu peux même mettre la galette directement dedans, ça va juste la réchauffer passivement. Passive. Ouais. Ah non, il se casse. Si elle rentre, les mecs. Non, mais c'est pour la manette. Ouais, ouais, c'est ça. Il se casse, les mecs. On veut. Ah bah, réinvite-les du coup. Tiens, c'est pareil, tiens, je me disais ça l'autre jour, ça fait tellement. Tiens, que depuis qu'il y a l'assaut, tiens, je vais doser à l'assaut. Mais en fait, ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait la soirée pizza et cacahuètes avec la dose avec les potes, ça, c'est pareil. Si vous faites un truc comme ça, vous. Bah, moi, je faisais ça avant. Bah, écoute, sache que les soirées doses avec ce genre de truc, et eh bah, c'est beaucoup plus efficace. T'assimiles mieux parce que ton corps est concentré là-dessus en plus de. Oui, mais je sais très bien, t'sais. Ok. Si c'est à la viande. Bon GG. Je peux en voler une. Il m'en a volé une. Où je pense. Ah c'est bon ça. Ouais vas-y, j'en veux une. Je vais essayer de voir si je joue sur le live aujourd'hui. Parce qu'en fait si je joue pas dans le guerre sur le live, j'y arrive pas. C'est pour ça que mon Ryu a des BP de merde. Ah oui. C'est bon ça. Ouais. Tu m'étonnes. Ah mais Tony Hawk hein. Et tu m'as dit peut-être trop tard le Overhead, j'ai pas pensé que. Ah mais c'est bien. Bah c'est pas grave, mais il y a 4 victoires ça. Ouais, y'a pas de soucis. 4 matchs gagnés. Ouais. Ouais carrément ils sont chauds. Bah y'a Doudou qui s'est mis devant le stick, alors à la limite si tu veux mettre un mec qui est un peu plus expérimenté, tu peux le. Ouais, il a un gros Ryu, ouais, carrément. Il a un gros Ryu, non, mais. Pas sur internet, pas sur le live. Il a un gros Ryu, mais en fait, il se la pète, donc faut que vous lui pétiez le cul. Sur le live, je vais juste faire du bizarre, les gens. Puis je me la pète. Oui. Ah, Sylvain, il dit, je me fais doudou les deux dans le pif. Oh, je t'en ai même pas Ryu. Les PP, les BP, là. Ouais. Moi, je crois qu'il y en a un, ça correspond à ton personnage, et un qui correspond à tous les personnages. C'est ça, en fait, il y en a un qui correspond au personnage et l'autre au joueur. Donc plus t'as des points, en fait t'as des points de. Si t'as autant de points, c'est que tu les quand même. Ah bah nickel, c'est, ça, ouais, c'est ça. Bon ça. Globalement c'est ça, mais enfin ça monte, c'est pas calculé pareil. Ah bah il nous invite. Bon bah. Ok mec. A tout. Ah salut Antoine. Salut Antoine. Doudou the one. Par le vrai. Tiens, je reviens. Là sur le net. Non mais sur le net, je suis vraiment mauvais hein.
Doudou The One vous invite à jouer. Ouais, en tout cas, c'est clair, mais sache que en tout cas c'est mutuel, hein, c'est cool. Il y avait quand même pas mal d'équilibre, ce qui est pourtant assez difficile à trouver, hein, parce que quand on ne connaît pas trop les joueurs, on a du mal à équilibrer. Mais c'est vrai que bon, du coup, GG à la jouée qui effectivement qui a réussi à être un petit peu au-dessus. Mais du coup, ouais, mais ça faisait des matchs serrés, donc c'était cool. Du coup, il y avait de l'ambiance là-dessus. On a vu des trucs un peu qui n'existaient pas, mais c'est ça qui est bon. Non, mais j'ai déjà joué. Je reconnais sa couleur. Oh non. Merci. Ouais. Ouais, carrément, bah, d'autant plus que moi j'aimerais bien pouvoir proposer plus souvent des sessions sur lesquelles on a des niveaux un peu différents, puisque c'est vrai qu'habituellement on est sur la même team à Paris, et du coup j'essaie de poser des joueurs un peu de ce calibre là. Mais c'est vrai que ce serait bien qu'on puisse faire 3 types de niveaux pour pouvoir faire ça. Ouais, bah complètement. Bah, et puis ça se développe petit à petit, donc c'est cool. Déjà, si vous avez du monde pour pouvoir proposer des organisations de stream, c'est cool. Et toi, il y a vraiment des données que tu dois voler. Non, mais c'est possible. Ouais, j'arrive pas. C'est plus des. Ouais, complètement. C'est du monde des. Ok, bah écoute, GG à vous en tout cas. A plus. Pardon, je m'arrête. Oui, carrément, ouais. Je sais pas jouer. Ouais, je sais pas. Voilà. C'est la volonté, mais on va se faire rien. Ah, d'accord, bah moi c'est pas grave, moi je le jouerai. Ouais, bah j'ai vu. Ouais, bah d'ailleurs, si je peux me permettre, sur ton clos, à la limite, ce que tu devrais essayer de faire, c'est pas trop faire de Flying Barcelona par axe. Oh, j'ai failli mourir. Ouais, mais c'est normal, hein. Mais ouais, quand même, si tu veux tu me lèves, je suis pas très bien, hein. Le setup d'acier. Ouais, je change de plutôt, ouais, mais j'ai vu des combos de Balight Punch avec X-Wing Barcelona qui passaient derrière, donc non, c'est bien, hein, ça devient propre. Hein. Bah ouais, non, si tu veux ça m'a donné la haine. Les sessions que j'ai faites chez lui au début. Ouais, puis tu vas voir, en plus tu vas t'habituer. Il est pas fait la haine. Ouais, c'est clair. Ok. Bah, à plus. Ouais, tu te fais pas chier. Bah, non, qu'on fait ici. On fait ici. Bien félicite, les gars. Moi, j'en ai un, merde. Dis que vous avez bien joué, en tout cas. Yes. Sur le gentil. Merci, mec. Mais ils ont quand même gagné. Ouais, bah carrément. Bah puis t'as vu, c'est cool, franchement je pensais pas que ça pourrait être aussi équilibré. Franchement, à un joueur près, on a un bon équilibre. Donc du coup, je trouve ça vraiment pas mal. N'élude pas le vrai problème. Ouais, non, mais c'est clair, hein, mais je trouve que déjà c'est plutôt bien. Hein. Non, c'est vrai, 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 c'est 8 personnes, ça. Ouais, bah, enfin, ouais, carrément. Bah, à la limite, après le match de Doudou, là, en fait, si tu me mets des lieux dans la manette, ouais, je me le prends après. En fait, la pâte, à l'intérieur, ça serait ici. Ah, d'accord. Bah, ou alors, envoie-moi un message. T'as mis une pelle? Ouais, une pelle.
préparatifs ici. C'est une dent, c'est ça. Pas de dessus, elle fait la liste dedans. Elle fait quoi? Oui, ok. Et donc, ah oui, avec Lev, c'est son implication. Ouais. Et en fait, si j'avais voulu, il aurait fallu que ça s'arrête ici là-bas. Ok, ok, bah vas-y, tout à fait, t'inquiète. Et du coup, là, c'est. Ouais, il y a des rois des fois où ouais, tu as énormément de ouais. Ok, sérieusement. Donc il n'y a pas de soucis. Ouais, c'est. Ouais, j'aime bien. Oh, regarde-moi ça, regarde-moi ce Ryu de la gratuité totale. Quoi. Oui, est-ce que t'as déjà vu un Ryu aussi gratos? Non, j'avais acheté une galette. C'est bon ça. Moi je veux voir ce Dudley, moi, ça me fait plaisir ça. Ah, mais je, moi tu sais très bien que j'aime. Ok. Ouais. Ok. Bon bah plus tard alors du coup. Bon, vous avez toutes les félicitations des Parisiens qui ont particulièrement apprécié de jouer avec vous. Ouais. Ils ont particulièrement apprécié de gagner contre nous. Bah après voilà, ils ont un joueur qui était un peu au-dessus des autres, mais faut pas rougir quoi. C'est cool de déjà proposer du bon jeu et puis pouvoir jouer contre des gens qui ont un niveau précis. Ouais, puis on a pu voir l'éclosion d'un nouvel espoir de la série. Ouais, j'avoue, ouais. C'est vrai. J'ai agréablement surpris. Hein. On a une nouvelle star qui est née. Faut que tu oublies que la prochaine fois que tu fais un débrief. Bah t'inquiète pas, si tu veux on pourra. Bah ça c'est enregistré hein, donc je le mettrai sur YouTube et tu pourras revoir tes matchs de. Je peux débriefer genre 3 demi-temps de foot, tu sais. Sous la douche, j'ai débriefé. Oh t'es sérieux? Eh oui. On peut pas faire ça sur le live, Zera? Bon, je suis mort. Oui, là ça te tue, ouais. En fait j'ai fait Tattoo X et y'a rien qui est sorti. Mon dieu. Ouais. Wow. Ouais, allez, on va essayer une. Ah, t'as tombé dessus? Ça fait 10 ans qu'il joue. Ouais, j'aurais essayé une. J'ai complètement accro. Allez, c'est la dernière. Moi, la joue, c'est marrant. J'essaie d'arrêter. Ah non, j'essaye pas, par contre, c'est un bon jeu. Bon, allez. Par contre, je pense pas qu'elle se tienne. Oh, si, elle se tient, à peu près. Oui, elle est fine. Ouais, c'est bien. Ça se sent. Bonne idée. Ouais, ça. Ah, c'est toi qui choisis? Qui va sous la table? C'est quoi la question? Je sais plus, j'ai jamais comme ça, je pense. Ouais. Ouais. C'est la plus jeune personne de l'assemblée va sous la table, et puis la personne qui coupe, elle désigne pas, et puis la personne sous la table dit, mais. Ouais. Bon, taf, on n'arrête pas ce challenge. Oh, ils sont pas les couilles! Tous les jours? Tous les jours? Tu vas m'insulter hein. Bon. J'ai fait une taunt, t'es imperfect. C'est vraiment un truc de bâtard. T'as pas d'amende, elle est super bien ouvrée. Frère, il a déjà spammé le refrain. Oh le mec. Mais en fait, je sais que j'ai fait une taunt, t'es imperfect. Il a pas aimé, je pense. Il a bourré le bouton. Quand j'ai une Victor Hero français. Ouais, c'est fait, c'est découpé avec de la crème pâtissière. Toi, tu l'as fait? Ouais. Il a géré. Bien, ouais. C'est qui le Dedet? Le Caddy, je crois. Le Caddy, Il jouait pas, quoi, là? Non. Il y a un truc que j'ai pas utilisé pendant l'autre, c'est le hashtag.
Il y a trop de trucs dans Street 4, il y a énormément de choses, de possibilités, de trucs à savoir, de match-up et de système de jeu. Dans 2X, bah, c'est tellement plus simple. Ouais. Dans 2X, tu fais 3 hits, bon bah... Je pense que ça se passe. Peut-être quelques dommages à lui. Ah, mon avis, c'est pas mort. Ah, ça fait mal quand même. Non, mais. Ouais, j'ai essayé des trucs, mais par contre, j'ai du mal avec des chiens à la relever là, et ça, c'est chiant. Ça me défend. De toi, il n'y a pas trop différent. Non, bah du tout. Il n'y a pas tout à acheter par contre. Ouais, non, tu vois, là, il y a des trucs que j'aurais pas à prendre comme ça, tu vois, l'overage. Mais. Sur la peur. Mais toi, pour moi, c'est pas très acheté. Il n'est pas très acheté que tu fais avec des trucs. Je ne pas ce que tu achètes, c'est un gros jeu qui achète la semaine. Ça fait yet là, mais ça top. Mais là j'ai fait 6 points. Tu vois là c'est vraiment une 12. Hein. Mais c'est vraiment une 12. Là j'ai réussi. C'était pas chaud de lui. Allez! Un petit ici là. On va tirer dans le dos. Non. Tu veux pas aller à l'école hein? Non, non, je veux pas aller à l'école. On y part? Hein? Je sais pas si c'est une belle école dans le bruit, c'est un peu comme Damien. Ouais, pareil. Le bruit, il est marrant, il est mon frère. C'est le bruit comme ça? Ouais. Merci. Ah. Elle est pas très sucrée hein. Mais du coup t'as rajouté du sucre dessus. Trop, ouais, c'est bon pour moi les gars. C'est du sirop que j'ai fait et que j'ai démarré le tout pour que ça fasse briller. Oui d'accord. Le problème c'est du jaune d'œuf, on peut mettre en après j'ai mis du jaune d'œuf. Si ça c'est à l'heure, j'ai fait l'un dans le froid. Ensuite j'ai refait du jaune. J'ai remis du jaune d'œuf. J'ai fait cuire. Ensuite quand j'ai sorti, 5 minutes avant, que j'ai sorti une première fois, j'ai badigeonné avec du sirop. C'est de l'eau et du sucre. Ah là là. D'accord. Ensuite, tu laisses finir le plat. Mais le problème, c'est que vu que j'avais mis deux ça, c'est un truc de bizarre. J'avais mis un au-dessus, un en-dessous, avec un fil plastique pour voir la mer. Oui. Du coup, ça a tout... Ça a tout... Ah, ah, il a voulu remettre ça, mais je suis déjà parti, moi. Il y a Genshiro qui parle de YOLO, là. YOLO. Ah, YOLO. Qui YOLO? YOLO, you only live once. Tu traînes pas sur les internets, toi. Tu connaissais pas YOLO? Non, sérieusement? Mais vous êtes, vous êtes... Quoi? You only live once. C'est quoi? Bah, tu sais, les mecs, ils disent, je peux faire n'importe quoi, toi, tu peux... C'est juste des gamins super débiles qui... Ah oui, ils sont... Oui, très moi. Tu vis une fois... Donc tu peux faire toutes les conneries que tu veux, de toute façon, ça justifie tout, tu vois. YOLO! Non, mais voilà, quoi. Mais sérieusement, tu traînes pas sur les internets, toi? Ouais, c'est bon que j'ai jamais entendu ça. Y'a pas mauvais de l'aime en fait, dès qu'il y a un zoning de base ça va, mais en fait, du coup j'arrivais pas à le faire, ça me fait chier d'être mauvais des fois. Par contre la taunt c'était complètement voulu, je suis un connard. Hein. Pour ceux qui m'entendent. Voilà. 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 C'est... Tu sais, Kodansuki. Le gars il parle de Street Fighter. Bah ouais. Ouais. C'est une langue. C'est une langue, ouais. En mode... Hey, hey, oh, hey! Pas Moula! Encore! Oh non! T'as un truc que tu te sers pas assez, c'est BAMP! Et en. Ah si, je le fais tout le temps! Ah, je l'ai pas vu! Bah, contre, contre degré, c'est pas terrible, c'est ça? Je sais pas, mais je le fais trop! Ouais, pas c'est une rose! C'est une rose, ouais! Hey, 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 Tani! Est-ce que je peux essayer de jouer de la fin? Bah, finir, hein, bah, de toute façon, il va finir, oui, je pense qu'il va pas. Attends, file-moi le stick, je m'en donne. Ouais, je pense qu'il va finir, ouais. Non, mais c'est juste que je prends mon ticket, quoi. Ah, tu veux que je te fasse de la peine, en fait, Etienne? Rose, c'est un mec, hein. Pas Rose, Poison.
Hein? Oui, je sais, c'est un mec qui est différent. Non? Elle a été créée comme, comme une fille, et comme ça a heurté la civilisation occidentale qu'on puisse frapper une femme, ils en ont fait un transsexuel dans les livres. Ouais, enfin dans la storyline, ça colle pas très bien que ce soit un mec, hein, que ce soit une femme. Mais la storyline, elle a été créée après le perso. Comme, oui, mais par les japonais. Street Fighter, ça a jamais eu d'histoire avant que... Oh, ouais, c'est... Oh, comment vous avez... Non, mais attends. Depuis quand tu fais des prisons mixtes, toi? Non, mais c'est une des raisons qui fait que je joue. Ah, là par contre, tu avais mon attention, maintenant tu as toute ma curiosité. Poison, c'est un personnage qui doit sortir, c'est une nana extrêmement bonne avec une cravache, une casquette, des cheveux roses et une putain de paire de boules. Et très à poil, voilà. Du coup, la communauté masculine s'en est bien appropriée le personnage, mais du coup, le jour où on a pris, c'est un mec, et bah voilà. C'est un mec? Oui, c'est un mec. C'est un peu ouais, Caillopolis. Ouais, mais ça faut pas le dire, j'allais en parler justement. Mais attends, Poison. Ah, ah, mais je tape poison sur Wiki, sur internet, oui, ça peut marcher. Voilà, Poison, c'est lui. Mais il a des boobs. Bah écoute, hein, tout est possible aujourd'hui. Hein. Mais je vais vous montrer une... Je vais vous parler de quelqu'un. GG, mec. Il est bon en plus, donc... Caillopolis, voilà. Attends, une image sympa quand même. Elle est où l'image la plus connue? Ah, celle-là. Franchement, dites-moi ce que vous en pensez. Ouais, bah, il est oui. Elle a pas de pomme dedans. Non. Là, c'est un joueur de Street Fighter. Qui est hyper connu, en fait. C'est un joueur? C'est un joueur, ouais. Ça se voit un petit peu dans ton visage, quand même. Oui, alors ça, c'est facile de le dire après, quand ouais. On sait déjà. Ouais. Caillopolis? Joueur de Viper? Ouais, bah ça se voit pas, on est d'accord. Ouais. Il joue Viper, ouais. En fait, la petite histoire, c'est qu'en fait, il y a une, à Street Fighter, il y a eu bah, le championnat du monde, mais t'avais une année, je crois qu'en 2010, la championnat du monde, catégorie féminine. Et bah, il est carrément bon quand on lui dit, bah, pourquoi tu t'inscris pas? Et en plus, c'était sur place, quoi, il y avait du Japon et tout. Bah, il dit, bah, je peux pas. Bah, pourquoi tu peux pas? Bah, non, mais c'est comme ça, je peux pas. Et en fait, ils ont vu sa carte d'identité. C'est un mec. Comme ça, c'est un. Bah, pour... ouais, bah non, est-ce que tu dois... Bah ouais, mais c'est connu le fait que ce soit un mec, tu vois. Ouais. Donc bon, vas-y. Ouais. Enfin voilà, tu vois, il y a tout un tas de trucs comme ça qui traînent. Vive les internets. Les internets. Bah oui, pourquoi? Bah, les internets, on dit maintenant. C'était les mecs qui ont commencé à balancer ça, parce que ça devient n'importe quoi, parce que tu peux le trouver sur la toile, donc maintenant c'est même plus l'internet, parce que c'est devenu, il y en a plein, tu vois. T'as tout un tas de trucs underground et tout. Je sais pas, il y en a un d'entre vous qui a connu 4chan? C'est encore? Ah! Bah oui, d'accord, oui. Oui, d'accord. Bah t'as Slash B, Mais toi, mais t'es Candide, quoi, c'est un truc de ouf, il connaît pas YOLO, il... Ouais, moi j'ai fait 4chan, tu peux t'en passer. Toi, tu peux largement t'en passer, je pense. Justement, on a parlé... Ah, c'est un ramassis de dégueulasse sur le net. Non, c'est pas vrai, c'est pas ça. Non, il y a un forum de 4chan qui fait ça. Mais sinon, t'as plein de forums hyper intéressants. Il y en a sur l'art. Ah, 4chan, sur... les images. Oui. Ouais, enfin, moi, c'est. Ouais, non, mais tu vois. Ils sont écrasés sur la route. Non, bah ouais, ça, c'est. Non, non, ça. Enfin, comme forcément des catégories qui font ça. En fait, on a une qui a été. En fait, comme on n'arrivait pas à contrôler les gens, sur ce site, ils ont fait un forum qui s'appelle le slash B, autrement dit le slash random, on peut poster tout ce qu'on veut, tant que c'est légal. Mais des fois, mais des fois. Hein? Tant qu'il y a des poils. Ouais, mais sauf que ce qui est marrant, c'est les moments où il y a des échanges, parce que ce truc est modéré 24h sur 24, tellement il y a des mecs qui bombardent un million de trucs horribles. Mais des fois, t'as des monos. Bah, les modos, ils doivent se permuter, forcément. Et dans l'entretemps, tu vois popper des trucs, mais... Ouais. Ah ouais, les mecs, ils ont aucune pitié, quoi. Et ouais, donc tant qu'il y a des poils, c'est légal, mais alors... Là, des fois... Non, il n'y a pas que des trucs pédophiles, il y a des trucs aussi super chauds, quoi. Pareil, t'as des trucs, c'est marrant, un moment, t'as un mec, il a posté une photo d'une nana à poil, et devant, pour tout cacher, il a mis un visage de The Rock, pour cacher la nana à poil. Puis y'a un mec qui poste, mais quelqu'un peut pas enlever la photo qui gêne. Et puis ouais, le mec, ouais, pas de problème, puis il envoie la photo de la nana à poil. Ce genre de conneries, tu vois. Ah là, on a les internets, voilà. Internet 2.0. Ouais, c'est presque Asbin le 2.0. Ouais, presque, hein. Je...
Bah déjà commence par le 1.0, on verra après. C'est vrai ? C'était un logiciel à... Bah Dropbox, ça a été bon. C'est encore le celle de merde qui va nous... avec plein de virus, ils vont être en train de leur vie. Je connais, lui. Je vais bien installer. Ça fait 6 mois, hein. Non ? Le cloud, je connaissais pas. Enfin, le cloud, c'est un nom hyper à la mode pour dire ceci, cela. Ouais, non, le cloud, c'est le fait de faire ça. Ouais, sur le net, mais ça existe depuis pas longtemps, ça. Enfin, depuis combien de temps? Le cloud? Ouais. En théorie, ça existe depuis plusieurs années, hein. Ouais, mais voilà, c'est juste qu'on a mis. Oui, on a mis un terme stylé sur. Voilà, on a mis un nom stylé sur. Depuis qu'on utilisait des temps. Ouais, mais voilà, mais c'est ça. Non, mais il. Qui ça? La Julie? J'ai cru voir un truc. Vraiment. Le pire, c'est quand je me suis fait défoncer par Gérard Perfect. Hein, Pierre? Ah oui, je m'en rappelle. Ouais, bah oui, tu m'as vu rager toute ma vie. Ouais, mais ça laguait. C'est pas que ça laguait, je... Enfin, si. Ça laguait un peu, quand même. Ah si, ça laguait, en fait, aussi, bah si, carrément, en plus, mais bon. Ouais, mais c'est pas l'excuse numéro 1. Bah, peut-être, mais en tout cas, moi de l'extérieur, je voyais que ça laguait. Bah oui, bah oui, bah déjà, le mec qui me saute dessus, je fais pas dragon, y'a un problème. Je dis pas que j'ai réussi tous, mais. Mais nous, il aurait réussi, on a gagné. Bah, non, non tu prends le match après, c'est tout. Et après, je prends la gagne. Ou alors, tu vas à Paris. Je vais perdre, toi. Non, non. Mais si, si, il est en train de jouer pour perdre. Non, non, mais non, mais fais le terre, fais attends, le terre. Si je gagne, tu prends pas ma place, tu vois. Bah, par contre, moi, oui. Non, je rigole. Ouais, du coup, je vais la Pierre. Du coup, si à tes potes, tu joues pas dimanche. Dans tous les cas, tu joues. Oui, évidemment. Ah, c'est ça que je voulais entendre. En fait, il a invité tout le monde chez lui pour rentrer là, il était pas sale. Il est en train de trier les caleçons. Il y a peut-être un mois là-dedans. Ouais, je suis désolé, hein, mais bon, quelque chose pas légitime, hein. Ouais, bah ouais, quand on est pas là. Ouais, quand on est pas là, je dors. Oh là là. Dormir, c'est pour les faibles. Ah, vous pouvez mettre sur ma table dans le de ouais, tu penses à Isno quand tu dis ça? Pas du tout. Sans déconner, Isno, il passe sa journée à organiser tout, hein. D'ailleurs, il y a un moment, il était en vacances et il a dit non mais... Hein? Mais oui. Et le truc, c'est qu'il m'explique que quand il était en vacances, on n'arrivait pas à faire de trucs, et dès qu'il est retourné au taf, ça y est, il a commencé à tout refaire. Okay. Il dit non, mais ça va aller demain, je reprends le taf. Du coup, ça vous dit. Bah, parce qu'il y en a un qui bosse avec lui. Non, 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 on va parler. Ah, il bosse pas, il fait pas que lui, hein. Ouais. Non. C'est vrai qu'il y a des fois, je trouve ça dévié. Mais c'est vrai que moi, j'en préfère quand même pas mal de non-gag, mais là, ah, c'est vrai, tu bombardes le même game! Des mails! Ouais, mais il envoie à allez! Voilà! Allez, non, mais il va chercher. Il cherche la merde! Il cherche la merde! Non! Mais gag, c'est la raison numéro 1 de la perte de temps au travail, je crois! Bon, il y a moyen que ce soit sur Facebook qui va être moins devant, mais. Bah, ouais. Tu sais qu'ils avaient fait une étude depuis que Facebook existe, la perte de production en entreprise, mais les chiffres sont catastrophiques! Bon, allez, elle est pour toi celle-là. Qui ça? Tu l'attends, tu l'attends. Cherche ta barre si tu peux un peu. Ouais, bah, je peux pas. Fais un logique, fais le point qui passe au travers des boules. Ah oh là là. Comment on fait pour changer une barre? En fait, tu vois, en bas à gauche, t'as la barre qui est bleue. D'accord. En fait, dès que tu fais un coup spécial, tu gardes ou que tu mets un coup dans la garde normale. Ça la charge un petit peu. De quand on dit charge ta barre, tu vois par exemple quand il fait un Dokken, que ça touche ou que ça touche pas, ça va charger un petit peu la barre. Donc quand on est dans le de loin, bon on essaie de faire des coups spéciaux, tu sais, du coup pas trop de riff pour charger la barre. Je voyais des gars sur le bench, qui faisaient des débuts d'attaque et puis il arrêtait. C'est possible. Ouais, c'est ça, ouais, dans Street Fighter 3, c'est parce que dans Street Fighter 3, tous les coups, peu importe qui, toute action dans Street Fighter 3, tu fais charger ta barre. C'est pour ça qu'il bourre les coups. Après, dans Street 4, les mecs qui bourrent un peu les coups comme ça, c'est pas forcément pour changer la barre. C'est aussi ce qu'on appelle les footsies ou les options sex, c'est une technique avancée dans le jeu. En gros, ton personnage, bah, tu t'en rends un petit peu, tu vois, en fonction de tous les normaux qu'il a, il a une espèce de bulle autour de lui où il peut toucher ou ne pas toucher. Et en fait, globalement, tous les coups que tu mets dans cette zone-là, en fait, c'est des coups, on va dire, un petit peu de provocation, ou entre guillemets, pour te protéger. Je m'appelle un peu les footsies, en fait.
Et le principe, si tu veux, c'est que bah, les mecs ils jaugent comme ça le terrain pour savoir genre, prendre des marques et les refaire, leur portée aussi. Ça va, Seb. J'ai l'habitude que ce soit Seb qui perde. Oui, Genshiro, c'est de toi que je parle. Ah, mais il est plus en stream là, fille. Attends. En fait, si tu veux, cette phase là, notamment si en GF, je sais pas si ça marche en Street 4, tu vas me dire, en fait, dans les 2X, je pense que ça marche en Street 4. Je vais m'inverte. Dans la garde Dans la garde, le type, il essaie de reculer, et en fait, du coup, il est bloqué sur face à cause de. Tu peux pas dans le 4. Il peut reculer, lui, dans le 4. Dans Street 2, en fait, quand tu mets un coup dans la garde, tu peux choper. Pas dans la garde, non, là tu parlais de la garde de proximité. Non. La garde de proximité, ah non, on parle. Tu parlais pas de ça. Tu parles pas de ça. Ouais, tu disais du vélo ou. Ah, tu parlais de la hitbox tout ça, ça. Non, je parlais du zoning de base. C'est-à-dire. Ah, d'accord, je croyais que tu parlais de la garde de proximité. Non, peut-être. Bon, non, putain, je vais pas aborder ça. Non, mais je trouvais ça bizarre. Non, parce que dans 2X, je fais main verte à nos distances. Ouais. Le type recule, mais du coup, il peut pas reculer. Est-ce qu'il garde, il est en garde de proximité. Et ah oui, après il peut mettre dragon ou ce qu'il veut, mais s'il avait dans le débat, le temps qu'il se rend compte qu'il est bloqué, oh la vache! Mais c'est pareil, t'as dans Street 2, tu peux faire petit point shop et le mec il peut absolument rien faire si c'est dans la garde le petit point. Putain, si tu vas avec Tiox ce petit point. Avec Tiox, il paraît que c'est. C'est un peu, tu peux rien faire. Il paraît que c'est, tu peux rien faire. Si, tu peux dragonner sur une frame, je crois. Enfin, il paraît que moi on m'a dit qu'on pouvait rien faire, mais de toute façon, enfin, quand tu vois que même à très 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 haut niveau, ils font rien. Les gens se les prennent à l'infini, mais c'est vachement bien. Ouais, Ken Bogard. Tu sais que Ken Bogard il a été au Togekid Street 2X. Hein. Ouais, je sais. C'est craqué quoi. Attends, au Togekid ? Ouais. Il s'était qualifié il y a longtemps et il l'a fait. Ouais, je sais plus, mais ouais, j'ai halluciné quoi. Quand j'ai vu ça, j'étais waouh, mais mec, c'est pas n'importe qui quand même. Non, 2X. Mais il est bon, c'est un demeure sur tout ça. C'est qui le meilleur joueur de 2X français d'ailleurs sur... Hein Zelda. Pour de vrai, parce qu'en fait, il y en a qui trouvent qu'il est surestimé. Enfin, il y a plein de polémiques sur ce mec-là qui disent ouais, mais allez sur GGPO, il y en a qui sont aussi forts que lui. Et non, tout. Mais il y en a des très bons, mais je veux dire, Volmar, il y a par exemple. Tu stream ou pas? Ouais, je stream, on s'en fout. On peut... bah, ça dépend, tu peux pas lancer des noms qu'on connaît ou pas. Oh non, mais je peux pas couper le stream juste pour tes conneries quoi! Non, mais il est très fort, Volmar, il est très fort. Mais vas-y! Non, c'est pas con. Non, c'est pas ça. Non, Volmar. Ne m'entends pas fan ici! C'est vraiment. Non, Volmar est vraiment très bon, c'est pas ça que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est qu'il y en a d'autres qui sont très très bons sur sur GPO et sur Musique ouais. En général, mais qui par exemple ne vont bosser qu'un seul perso ou. Ouais, je m'en prends un petit gars. Mais non, Volmar, il est vraiment très très bon. Après, est-ce que c'est le meilleur joueur français? Moi je dirais ça, mais Je te piquerai bien un bout de ta galette quand même pour goûter. Ouais, c'est léger. Hein. Bah c'est celle de Pierre, celle-là, il y a peut-être la fève dedans. On a deux très bons boxeurs, on a Old Yassi et... Old Samir, je crois. Old Samir, c'est un genre de Gail. De Gail, ouais. C'est un très bon Gail, genre. Il y a une petite serviette pour moi, là. Bah... C'est un très bon Gail, mais c'est pas le meilleur français. On va dire que c'est le deuxième. Ouais, ça va être chiant, on est d'accord. Comment? Je t'ai pas entendu non, du non, coup. Non, mais je disais Old Samir, c'est pas le même que Old Yassi. Non, Old Samir, c'est un genre de guide et je dirais que c'est le numéro 2 français en guide. Il faut une âme charitable. Ah non, mais tu peux. Celle-là, elle est à l'histoire. Bah, elle est à Pierre. Un peu comme Old Samir avant. Oh, il s'en fout, ouais. Ouais, d'ailleurs, quand j'ai vu ça, Old Samir qui joue Gaël et Samir qui jouait Gaël, j'étais mort. Je te vole ta part, Pierre. Si elle a fève, je te tue. Mais non, il est grave bonne. On a deux très très bons petits Felong. Ouais. En les personnes de Balcor qui joue contre moi. Ouais, t'es chaud là. Ah, ça commence à être. On a un blanc câble magnifique. Enfin, ah, je l'ai vu, comment il s'appelle? Commander. Non, Air hein. Commander aussi. En fait, on a deux. Oui, je vais y en une. Enfin, on a deux super blancs câbles à Air Commander et peu importe. En fait, moi je connais plus peu importe, mais je joue quand même plus personnellement. Peu importe. Oui, Air Commander, on le cite souvent comme le meilleur blanquin. Ouais. Après, on trouve les deux sur la tête. Et le meilleur joueur du monde, c'est Mao ou pas, là? Non. Kusumando. C'est très compliqué, 2X. Enfin, les match-ups sont quand même... C'est tellement mal. Si tu veux, dans Street 4, t'as quand même des éléments de jeu qui font que les match-ups... Ouais, c'est très important, mais... sont un peu moins importants que dans 2X. Ouais. Dans 2X, t'as des match-ups 9-1. Enfin, ouais, je sais bien, ouais. Donc. Ouais, t'as Gail Dalsim, c'est 8-2 pour Dalsim par exemple. Ouais. Là, Dalsim, il peut taper et garder les Sonic Boom en même temps. Moi, je joue Zangief et il y a 3 match-ups, c'est de l'ordre du 8-9.
Mais Mao, est-ce que c'est le meilleur joueur du monde? Sachant qu'il joue un Non, il joue Claude, il joue Kier S, lui, on a rien à foutre. Il est excellent, hein, ce. Non, mais je suis de la merde. C'est un très très bon joueur, mais est-ce que c'est le meilleur joueur du monde? Ah, mais après, bah, il joue le meilleur perso, mais tu vois. Demain, je dis Daigo, il jouait le meilleur perso de Street 4, bah, il serait quand même le meilleur joueur du monde, non, là. Non, mais forcément, c'est quand on passe son style, s'il jouait Camille, ça correspond pas au style de Non, mais je veux dire, s'il gagnait, même avec le meilleur perso du jeu. Oui, mais en l'occurrence. Dans il a avalé la feuille pour pas dire que c'était le roi. Pour Mao, je me rappelle pas vraiment l'avoir vu quelqu'un d'autre. Que non, je viens de commencer là. Oh merde. Oh le mec. Il n'y a pas de respect. Putain, elle était très très bonne. Elle était silencieux, mais. Ouais, ça va. Ah, plus vrai, bah, ça passe carrément bien. Moi, je me lève du tout seul, si je pouvais. Ah, ouais, sans déconner. Non, ça, c'est genre de deuxième perso que je pourrais me travailler, beaucoup, ça. Parce que ça demande pas de temps. Non, de tout ça, c'est carrément. Mon style total. Tu sais que quand j'étais, il y a une période, il y a eu plusieurs périodes où j'ai lâché Ryu. Quoi, et il y en a une, j'ai lâché Ryu pour boxeur. J'ai gagné direct deux tournois avec lui. Il est garanti. Pour moi, c'est. Avec. C'est. Je trouve qu'il est encore plus facile à jouer que Camille. Moi, ça me fait halluciner, je trouve pas ça normal, mais. De pouvoir bouger les culs, en fait. Les normaux, de base. De pouvoir mouliner des normaux à la suite. Ça me fait halluciner. Moulinot, tu as petit point, et. Mais sans même avoir besoin de faire un timing, c'est-à-dire que tu bourres ton bouton. Ah ouais, ça marche. Ça ouais, bah ouais. Ça, pour moi, c'est une amélioration que là. Après, je joue un perso qui a des light just strike, mais. Ah bah ouais. Par mon exemple, mais il y a un juste milieu entre les deux, tu vois. Voilà. Ouais, boxeur, c'est facile. Non, mais faudrait que c'est boxeur, il y a. Ah, boxeur, ouais. Là, il y a boxeur, il y a DJ, il y a le kit, le corps de Valley Punch aussi. Ah non, c'est beaucoup plus dur. Hein. Bah, boxeur. Il y a quand même pas mal de persos sur lesquels tu peux bourrer un coup. Ryu, soit Valley Kick, soit Valley Punch. Ouais. Ah non, mais sans déconner. Pareil, dictateur, je pensais que c'était facile. C'est pas facile à faire dictateur. Ouais, non, il t'arrache pas beaucoup, ouais. Mais il t'arrache beaucoup. C'est pas difficile, mais c'est pas. Mais en fait, c'est ça, c'est que boxeur, il a une putain de portée, il fait mal, il est. C'est là, il faut. Ouais, c'est un truc comme ça, mais tu mets pas. Ouais, c'est ouf. T'as des lights sur ton 3, t'as 5 frames, enfin, t'as le temps d'en mettre 2 pour mettre un seul coup là. T'avais. Je trouve que PR Balrog fait beaucoup plus de résultats, mais plus agressif. Mais PR Balrog, moi je trouve que ce joueur il est juste super bon, tu vois. Il est super bon, non mais. Depuis un an et demi, à peu près, il joue plus agressif qu'avant, parce qu'il a fait plus de résultats. Ouais, mais c'est parce que aussi, il y a deux choses, c'est qu'il a travaillé un Feilong entre temps. En fait, oui, il a travaillé ça. Ouais, en fait, il a travaillé d'autres choses. En fait, en ayant un deuxième perso, il a commencé ce que. Tu vois, boxeur, il sentait ses limites, mais en même temps, il a travaillé le perso pendant 4-5 ans. Je veux dire, tu peux pas passer le jour au lendemain à un autre perso. Ouais, t'as 4 ans de maîtrise dessus, quoi. Et quand il a joué Feilong, bah ouais, mais mine de rien, ça lui a donné d'autres armes pour son boxeur. Hein. Ouais, c'est possible. Mais par contre, c'est pareil, tu sais, j'avais vu les interviews de Daigo, tu sais, qui parlait de son match-up contre Guki. Mais il a abordé le match, mais c'était craqué comment le mec il voyait loin. Mais genre. Le bouclier, c'est un père qui mais le pire, c'est qu'il le pense. Hein. Kuma, c'est l'un des 3 meilleurs personnages du jeu. Ouais, ou 4. Enfin, dans le top. Mais merde. Ah, moi, je voulais. Tu as eu le tout la même chose. Oscar, on n'a jamais vu Ryu être au-dessus de. Non, Ryu est moins bon. Ryu, pour moi, il est. Non, il est juste après les 4-5 meilleurs. Les moins bons. Ah, ouais, tu mets si haut que ça, toi, Ryu. Ah, c'est. Je suis pas d'accord. Non, parce qu'il a, un gros avantage par rapport à, même au très très fort perso. Il a une barre de vie. C'est qu'il a pas un gros versus défavorable. Si. C'est peut-être Dalsim son pire match-up. C'est son pire, ouais. Ouais, c'est vrai, mais après il a pas de match-up ultra favorable. Je suis sûr que même 7, il doit avoir un match-up un peu crade. Tu rigoles. Je suis sûr qu'il a au moins un match-up un peu crade. 7, son pire match-up c'est 6-4, hein. Oui, mais enfin, empiriquement. Mais je suis sûr qu'il y a des match-ups qui sont ultra bons. Ouais, mais bon. Et comme il n'y a pas beaucoup de vie, ben. Ouais, mais en même temps, voilà, tu joues. Voilà, je crois que le pire match-up de 7, je crois que c'est Viper. Ouais, attends, ouais, Viper, elle t'arrache. Viper, moi je trouve que c'est abusé. Ouais, qu'on voit rien, on voit rien. Moi je trouve que 7, c'est abusé. Enfin, le coup du dragon d'achat avant, je sais pas si tu allais prendre un 360, un deuxième dragon ou une garde. Le pire. Ouais, non, mais ils vont le tuer, c'est vrai. Non, mais moi je suis pour le fait qu'on puisse pas faire. En fait, le pire truc, c'est ça, c'est qu'en fait, c'est que 7, il a la focus de Chun-Li. Alors ça, c'est fort parce que Chun-Li, si tu veux, elle a la seule focus du jeu qui te met à plus 2 en garde. Bah, et puis elle a un dash avant qui lui permet de faire un dash avant derrière focus. Ouais, mais voilà, mais le truc, si tu veux, c'est que Chun-Li elle a pas de mind game de shop spé et elle a pas de mind game de dragon. Lui il a la même chose sauf qu'il peut faire dragon 360 Baika. Parce que tu peux pas backdasher si t'es en effort encore à corps, il fait des combos de taré et s'il a l'écran,
il y a plusieurs façons d'avancer de façon ultra vénère. Wall jump. Couper un saut normal par un kick, faire un wall dive. J'adore ça. Et une fois qu'il a fait des freins, il va pas l'approcher. Ah, c'est la mort. Là, tu peux pas sauter, tu peux lui faire des Sonic Boom Boom. Pourtant, la rolling de clou, elle va te servir à rien. Elle servira à rien ? Bah, elle sera plus confortable. À part pour tout le monde, bon, vous voulez faire 100 milliards. Bah, pourquoi moi je serais content, c'est plutôt que toi qui va pas être content. D'ailleurs, il gagne des trucs, Clou, ou pas ? C'est con parce qu'en fait, moi personnellement, je m'en sers pas comme ça parce que je trouve que c'est con de péter une barre DX si c'est juste pour faire. Péter une boule ? Le seul match-up que ça me sert, c'est contre Guile. Parce que Guile, même la prochaine. Ouais, c'est vraiment. Voilà. Mais. Ouais, mais tu vois. Ce qui me casse les couilles, c'est que c'est dommage, le seul combo vraiment stylé qui fait très très mal de Guile, il est avec son Mais ouais, super dur et ça parce qu'il voit pas tous les jeux, ouais, mais tu vois, passer à travers une boule, ça aussi psychologiquement, ça met aussi des choses, faut aussi jouer là-dessus. Le mec dit merde, je peux plus trop, faut que je me calme sur la boule. C'est con, parce que ça fait qu'un coup, parce que passer à travers la boule, je peux faire avec ça. Ouais, c'est vrai. Ouais, bah après, voilà. Mais du coup, mais Clou, il gagne des trucs, je crois. Il y a son Ultra 2 qui sort un million de fois plus vite, on va faire BMK Ultra, je crois. Il y a des rumeurs qui disaient 5, et moi j'ai vu sur. C'est quoi, c'est le ils ont dit qu'ils sont à 7. Elle revient en arrière finalement, c'est trop fort. Parce que, en fait, il était à la fin d'avant. Parce que BMK Ultra, ça quand même semblait vénère quand même. Bah, oui, un peu. Bah, ouais. Quoi que Blanc 4 en Counter Hit. Ouais. Mais ça c'est pareil, tiens, c'est pas pour vanter le joueur, mais Baki quand même, les réflexes qu'il a sur ces trucs là. Tu vois, je voyais les matchs de Valmaster, comme ça, c'est pas pour dire que Baki est meilleur Valmaster, mais tu vois, Valmaster il fait des MPMP, mais le top Valmaster il en fait un ou deux avant de confirmer un super. Baki c'est tac, ça touche, c'est tout de suite super, il y a jamais de moment. Oui, il buff, mais en fait, il y arrive quoi. Il arrivera à le faire en réflexe le bouton. Ouais, bah qui, il est pas mauvais, mais c'est jamais. C'est pas desk non plus, mais. Moi j'avais commencé à jouer Chami et c'était le fait de gérer la mille pieds que je me suis dit, je vais pas réussir à. Oh, c'est dur, ouais. Sachant qu'en plus les mille pieds dans le jeu sont pas terribles, quoi, c'est pas dans ce strip case. Non, mais t'en as besoin de jouer Chami. Même toi, non, bah qui, ça sert pas. Les mille pieds par contre, ouais. Les mille pieds j'arrive à les faire facilement. On peut plus vite buter, hein, ça passe. Mais. Bien vu, hein. Oh, mais c'est Isno. Bah c'est Isno, il a pari là. S'il est pas là, il a pari, c'est QG. Bah je sais qu'il est pas à Paris, il achète pas dans deux jours, t'inquiète qu'il est pas à Paris. Ouais, c'est ça, c'est quelle heure mais... Il me semble qu'on commence à 14h ou 15h, c'est là ou l'autre, je sais plus. Mais si on a les ordres, c'est dans le endroit que la dernière. Polytech, ouais. C'est en périphérie là. Ouais. C'est à Polytech, ouais, l'école. Et je me rappelle pas comment ça s'appelle. T'inquiète, les internets ça vous sait. Oui, non mais Moi, il est en train de... Les internets, ça, il faut... Moi, j'ai l'impression que c'est un vieux qui va. Ah ouais, le web. Le Vorval web. Ouais, je connais le web. Mais non, mais les internets, ça me fait des liens, depuis que ça existe, ce terme-là. Les internets, qu'est-ce que... Non, trop tôt. J'ai l'impression que ceux qui disent les internets, c'est les vieux analystes qui interviennent à la télé. Oui, alors... Avec les internets. C'est clair. Les internets, honnêtement, j'avais jamais entendu. L'internet, ouais, ça me l'internet, ouais, c'est internet tout court, quoi. L'internet, je pense. Ah bah, faut surfer sur les internets. Bon, écoute, non. Faut que tu t'imposes, hein. Comment ça? Non, mais vas-y, hein, moi je peux jouer à l'infini, moi, après. Bah, ouais, qu'on a pas de aussi. La dernière fois qu'on a joué, c'était au tournoi 3-3, je crois. Ouais. Dedley. Dudley? Oh, Dudley! 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 Je t'assisterai bien là-dessus, mais déjà. Ah, bah, moi, j'aimerais bien. Je sais que tu cherches un assist, mais justement, mais j'ai cherché, mais là, ça en faut encore gagner. C'est quoi? Bah, pour faire ça, les doses passent en ta bière. Pour en faire plus souvent et pour en faire de différents niveaux, aussi. C'est ça. C'est Baki qui est. Baki, ça fait marrer, il va absolument en mettre lui, mais. Il va le rentrer dans quelque chose lui. Ah bah, s'il organise, moi je veux bien. Ah mais Baki, il vit chez sa mère quoi. Non mais à la limite, moi, même. Même il y a des moments où je veux bien me laisser les clés de mon appart et laisser faire organiser chez moi. Hein. C'est juste qu'il y a des moments où. Moi, faut que j'arrive à trouver le temps de trouver les joueurs. Ouais, je sais bien. Organiser, donc accueillir et être là. D'ailleurs, si je peux faire que l'un de ces trucs-là, ouais. Je ça sera plus simple. Je vais en proposer plus souvent.
Mais d'ailleurs, je pensais à ça, tu, comment c'est, pour toi, c'est, ça prend beaucoup de temps, tout ce qui est référencement, tout le Twitter et tout ça, à gérer. Non, mais là, mais oui, mais dans, pour le site. Ah, pour le site, non, bah non, parce que j'ai pas tellement de temps. J'avais dit à j'avais dit la première étape pour optimiser le site, mais j'ai pas eu le retour. Non, ouais, de toute façon. J'ai pas quoi faire, j'ai pas de mettre un peu comme ça. Mais bon, du coup, faut que je propose un truc moins bourrin. Ouais, j'avoue. Je propose juste des bonnes pratiques, un tuto, et là, il y a les gens qui publient sur le site, tout simplement. Tiens, si tu pensais à ça, d'ailleurs, essaye d'insister. Tiens, si j'ai un setup à te donner, même si je sais que tu vas pas le faire, mais je te le donne quand même. Non mais José, t'auras des casques sur le stream de Street 4. Bah oui, si, je vais le faire. Oui, mais le truc, c'est qu'ils sont pas tous sur le stream, les matchs. Alors, t'as moyen d'y être, d'insister pour choper le stream, tu vois. Putain. Ouais. Non mais voilà, enfin tu vois, tu peux jouer là-dessus. Bah après, si les mecs disent, bah non, on est en retard, bon bah tu fais pas de... Mais t'as moyen d'essayer de jouer ça, hein. Non. De toute façon, on entend en tout, ouais, je vais pouvoir utiliser mon setup de parterre. Putain, j'ai pas eu le temps. Ton setup de parterre. Ouais, ça marche bien, là. Bah, ça m'enlève le... Y'a pas des là, quoi. Je suis arrivé comme ça, peut-être. Hein, ouais, est-ce que toi t'es grand? Ouais, c'est moi, est-ce que t'es grand, toi, c'est ça? Il est bon? Non, c'est pas, je sais pas pourquoi, c'est j'ai appris à jouer sur des trucs bas ou quoi. Du coup, quand je joue sur mes genoux, j'ai pris l'habitude de jouer avec un plan en diagonale. Ouais. Du coup, si je joue sur un plan plat, sur une chaise, je fais une diagonale et je mets en place. Ah, oui, d'accord. Et quand t'arrives à te mettre en tailleur, ça sort rien du coup. Et quand t'es en tailleur, ça sort. Ça sort rien. Et ça met du coup en tailleur, tu t'en sors du coup. Ouais. Ouais. D'accord. Allez Benji. Mais c'est des mauvaises habitudes au début, hein, mais après faut. Ouais. C'est ouf. Après faut essayer de se chauffer aussi avant. C'était, enfin avant pendant le freeplay avant, c'est faire des matchs avant pour se mettre pour récupérer les timings, tu vois. En plus, je pense que c'est pour là qu'il est préférable de voir un deuxième perso en plus easy, parce que quand tu joues un perso un peu chaud, dans un match t'es pas là quoi. Ouais, ça va, c'est en deux matchs gagnants, c'est pas l'injustice. Ouais. C'est un c'est loser bracket, deux matchs gagnants, enfin voilà. Ça sur le tournoi, en global, est-ce que je peux regarder des horaires de tram ou pas sur ton PC? Non. Si la première fois que c'est ouvert, t'as un peu sur la table dans... Oui, il est ouvert, il est derrière là. Je comprends pas ça. Hop, t'as un raccourci. Ah oui, d'accord, j'ai un talipodon, je sais pas si... T'as une voiture? Ouais. Tiens, vas-y. Bah, je te laisse faire, t'es grand. Yep. Alors, Alors, mesdames, si vous voulez stalker Etienne, il regarde ses horaires. Faites-le parler. J'ai l'air qu'il y a plein de nanas qui regardent le stream. Etienne, t'habites où? J'habite à... au nord. Chez HT. Ouais, c'est vrai. Où ça? Chaîne des Anglais. Chaîne des Anglais. Ah, t'es pas très loin, tu es bien sûr? Oui, je suis pas très loin. C'est après chez toi. Bah, je te rappelle. Mais Moi, j'habite à Lipouron, mais. Ah oui, c'est la patronne. Pas comme tu veux. Ah, mais ce Tony, mais comment qu'il a tout compris à la vie? Comment qu'il est plein de charisme, de bon. Franchement, là, moi, il me faut ce mec-là. Il a des setups de bagnole. Des setups de Ryu, des setups. Non, mais le mec, il a des. Franchement, mais. Bah demain c'est pas moi, faut voir ça, parce que moi je vous retrouve là-bas. Ils t'ont, je sais pas, ils t'ont pas dit sur le chat? Je vais aider à 18h30, je vais faire un transport pour Ouais. Ok. Bah voilà, pourquoi t'as besoin de quoi? Non, je veux juste rassembler des gens avant de bête. Bah moi je suis au travail, tu vois, avant, donc... Moi j'ai pas... les gens qui travaillent. Je veux pas du tout. Bah oui, je veux pas. Non, je suis chauveur. Ah putain, je connais, tu bossais, hein. Je crois que t'étais étudiant, quelque chose. À la limite, aujourd'hui, j'ai repris mes cours, enfin, je suis un cours pendant une heure libre. En fait, ouais, mais si tu veux dire, j'ai continué à donner comme ouais, ça. Quelle est l'astuce pour que le mec, il arrête de faire ça? Tu es avec quelqu'un, toi, il Oui, je vais avec Marion. Tout est une histoire de distance, en fait. C'est juste que je suis entendu, son cousin. À Nantes, je suis... Et pendant ce temps, il y a une safe, il a un record. Bah si toi, à la distance, où lui, il va se dire, tiens, là, si je fais le bon point, niveau taf, c'est le prend. Niveau taf, je suis à la recherche de formation, là, de... C'est un philo, toi, j'ai... Ouais, j'ai une licence de philo. Il n'y a pas de respect. Bah, là, c'est la distance où t'es derrière. Je vais essayer de me former. Voilà, cette distance qui te fait tomber pile sur le mur. T'es pas devant ou pas derrière, mais pile sur le mur. Tourneur fraiseur. Voilà, tu vois, bah là, t'as pété son entier en plus. Tourneur fraiseur. Ouais. Fabrication. J'ai fait. Ah oui, alors, moi, quand je vais casser les couilles, mais un truc de haut. Ah. Mais il est dans l'informatique. Mais il a tout compris, ce monsieur. Ouais, tu bosses avec ça, c'est un bug. Ah non, et comme les projectiles sont en diagonale, tu peux pas exister sans le fond, tranquille quoi. N'hésite pas à faire des petits arrières de la matinale. T'avais. Non, je fais
Attends, Akiba, comment ? Akila. Akila, comment ? C'est quoi le logiciel de gestion. D'accord, et toi, t'es admin réseau, enfin, t'es dans le réseau là-bas, du coup. Ouais, réseau matériel, information aussi. D'accord, ouais. Beau gosse. Je suis admin réseau dans une boîte. Pour ça. Et là, mets de la distance après, hein. C'est ce genre de truc. De lui, sa distance de son corps, il est au corps à corps tout tard. Du coup, quand tu dis, il faut rien faire devant le. Bah, j'ai fait un. Pierre, tu peux peut-être stopper le stream un moment parce que les gens ils parlent. Non, c'est pas ça, c'est pour parce qu'on enregistre là en fait, c'est pour ça. Ah, mais c'est pour que ça. Ah, ouais, on peut couper le son. Ouais, bah vas-y, go. Coupe le son, c'est sur l'OBS. Ouais, le micro, tu mets à zéro. Ouais, bah les gars.